Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 7 novembre 2021. Au menu de cette édition, le New York State Judo organise aujourd'hui à partir de 10h son championnat annuel de judo au Salesiana School, New Rochelle, New Jersey. Investir en Haïti, une opportunité à saisir, un devoir patriotique. C'est le thème de la conférence virtuelle que Dr Daniel Fossé et Dr Leslie Kenny en présentent le dimanche 21 novembre prochain sur le 91.5 FM. Les fanatiques et amis de Haïti Première Classe ont rendez-vous le samedi 4 décembre prochain à chez Mirel pour commémorer le 6e anniversaire du retour en onde de cette émission. La coalition des organisations haïtiennes de la diaspora, en collaboration avec HLF, Voix et Tambour d'Haïti et Artist Village, organise une collecte de fonds au profit d'un projet d'approvisionnement d'eau potable dans les départements du Sud, des NIP et de la Gandas. Comme invité ce matin, nous avons le docteur Joram Réjouy, Jean Bélier à Lucien, le docteur Yvan Duchesne, docteur Jean-Yves Plaisir, Hérold Dask, Gonal Mention et le docteur Daniel Desrivières. Première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8h du matin, même si je rentre à 5h du matin, il faut m'ouvrir la télévision pour me regarder Haïti Première Classe, number one. Pas de problème, le 4 décembre, non? Faites la barre, l'océan, chargé le livre là, parce que je pourrais exposer là, je pourrais le signer. Et ensemble avec Dr Claudie Delnay, avec Dr. Méchant. Oui. Docteur Jean Fizemé qui est sur le Canada. Et donc c'est un monde tout qui a payé recevoir Award que nous avons parmi les quelques autres monde tout dans le coup président d'État Pascal Trouillot. Et l'ambassadeur Raymond Joseph, nous avons Franck Siné et nous avons Erzène Clergé.
et avec Reynold Julien de Combit Neg Lakay, comme nous connaissons, c'est des gens qui font un travail extraordinaire pour le pays, qui défendent le pays, qui ont le pays dans le cœur. C'est la raison pour laquelle nous avons animation pour le fait. Et avec John Sibrinas qui a chanté dans ces circonstances. Et nous avons Péniel dans ce compagnie qui va faire animation après folklore, là, son bail culturel tout. Et nous avons uniquement qui va jouer pour les gens qui veulent danser. Et nous avons dit que Haïti va être 6e anniversaire de tout, comme nous avons une circonstance très spéciale. Et à cause de Covid, là, nous sommes obligés de dire que les gens qui ne sont pas vaccinés, ça qui pas 4 vaccins. Pour avoir artiste gain en fait un papier qui dit que 72 heures de gain vaccin avant pour assurer en fait sécurité des monde qui pendant donc très docteur... responsable très responsable de bon côté pour protéger invité ou protéger gros monde parce que c'est fait gros monde que vous mentionnez là belle bagarre net. OK, maintenant nous connaissons l'élection là et bah Dieu là pour gouverner New Jersey parce que pas dit non belle semaine non pas ça on va dire ça tout non alors on dit donc que l'autre élément qui était candidat. Oh, le compétiteur. Oui, monsieur Padien. Ah, monsieur Mauvais, là, monsieur est privé prêt, là. Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui jouaient lors du privé prêt. Il y a un droit de oui, privé prêt. Premier facteur, là, c'est presque un peu le monde pas même songer à une élection. Ça veut dire que base pas excité pour sortir à voter. C'est le premier bas. Parce qu'on sait de zones dans New Jersey. Rien doit dire qu'il est extrêmement haut côté que républicain, même s'il t'a rêvé de gagner, il va t'a gagner. Mais zone ça a 20% de moins de monde qui sortit à voter comparé avec la dernière élection. Donc, M. Rivé, prêt là pour le temps. Ça veut dire base par la sortie. Base par la sortie lui-même. Ah bon? Base par la sortie, mais base et gouverneur place ça pas sorti. Quelle raison pour ça? Quelle raison? Eh bien, pour quelle raison? Ou bien doit dire Covid là manque de mais Covid là pour tout le monde hier c'est oui, tout le monde victime non mais monsieur pas oublier l'autre groupe là continue à exciter basé lui-même comment ça veut dire là gouverneur pas travail gouverneur pas non gouverneur il est déjà gouverneur déjà il y a travail à faire il est en place il pas gagne assez de temps même genre l'autre nèg pour sortir faire campagne presser là mais en général la politique pas aux alliés le fait que nèg officiel là il gagne d'ailleurs et on stage normal qui va on avantage d'accord avec quoi 100% et monsieur Tega peut-être apprendre de président Obama qui joue après que l'élu a commencé à faire campagne pour la prochaine élection, même le président Trump a fait pour nous. Ce qui a fait monde plus peur, c'est Virginia. Mais il faut comme nous, les démocrates ont perdu Virginia, bien mais ils ont bien nous jaser. Parce que d'après NPR, d'après Washington, ils ont bien perdu Virginia. Ils ont bien perdu Virginia. Nous jaser, ça peine si vous gagnez. Non, et monsieur Gagné nous jaser. En parlant de Phil Murphy, ancien et gouverneur qui gouverne toujours Kounia, d'après encore une fois, Renoir DNPR, National Public Radio, d'après Wall Street Journal, d'après CNN, tout le monde a dit que Phil Murphy a une raison qui fait ça, c'est que jour élection, il y a compté monde qui a voté directement. Mais là que vous commencez à compter monde qui votait par la poste, tout le temps, il a compté plus. Pourcentage, Phil Murphy a monté plus. Phil Mounal Domi qui était partenaire gouverneur, il avait rejoint Phil Murphy devant. Et dans la soirée, je me suis devant par 1900 et quelques voix. Dans le matin, quand il a levé, le nombre de voix est réduit à 60. Dans la zone 6h, 7h du matin, comme ça. Et puis, quand il y a là, aux environs 9h, 10h du matin, le lendemain, en parlant de mercredi, Phil Murphy commence à renverser Bayo côté vers 10h du matin, il était à 1900. Mais pas son dépense, on dépense mais tu as calé plus fort là, on dépense Phil Murphy. Bon, il faut que me dise et personnellement, j'étais en vif en prédiction dans dernier show de faire. Et faut honnête acte tout, là faire genre de travail qu'on a fait. Me pensais il t'a pral plus facile mon Dieu. 52 comme ça pour Murphy. Et puis 48 pour monsieur jouer élection. À peu près, Jean et Républicain Calé dans la Virginia. Et correct, Jean monsieur perdu dans Virginia. C'est comme ça que je pense que c'est le dans nos jazz. Mais, il n'est pas sorti comme ça. Bien compté, mal calculé. Bon, on doit dire, et encore une fois, dans le calcul là, il y a un facteur qui joue la donne. Et encore une fois, il y a là, c'est le fait que base là pas excité. Ça veut dire, si vraiment, monsieur, démocrate, vous voulez qu'un B, Chambre députée,
dans Washington pour 2022 a faut commencer avec cité base depuis kounia et pas quoi que y a kembe chambre député en 2022 parce que traditionnellement c'est pour moi qui j'en fait ici aux États-Unis mais Phil Murphy oui mais traditionnellement tout et en fait gouverneur démocrate va me doubler non mais parce Phil que... Murphy doublé c'est ça me dit son Phil Murphy doublé so, ça pour moi même son gros bagage pour démocratie c'est pas un désastre total capital mais gain plus leçon à apprendre. Il y a une leçon, c'est une question de perception. Par exemple, monsieur qui gagne young skin qui gagne dans Virginia, qui pourrait monsieur mettre en place? Monsieur dit que parents, d'après l'autre candidat qui c'est McAuliffe, pas gagne aucun droit dans Virginia. So monsieur dit, il y a une bagaille que je vais faire, les mêmes, je vais restaurer droit comme parents. Droit mon pas perdu non même je dis me pral restaurer droit comme parent pour gain droit à la parole dans Virginia dans question de éducation pas gain monde qui pral faire pour nous montrer éducation moun noir dans éducation dans Virginia moun noir pas gain droit comme ça ça que le cri de Corey Theory on ba qui pas même dans curriculum dans Virginia même solo parler comme ça avant longtemps moun commencer à penser que son réalité que c'est vrai. C'est une question de faire mon peur. C'est ça ou bien doit dire son tactique politique qui sortit exactement et directement dans playbook Donald Trump. Et c'est ça monsieur t'ai fait avec question de mexicain et c'est ça que monsieur a fait kounya avec haïtien avec même by critical race series. On peut content de faire by ça. N'a plus de ça là et sur le prochain on va s'agir. Allô tout le monde, it's your lady Nay, host of Afri Creole. Bon me dire une petite parole. Chaque dimanche matin 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube. Cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toutes les informations ou besoin. Ça va passer dans la communauté. Ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe. Bon, ce maintenant, c'était gros question dans New York. Là, t'es qu'à l'élection, côté que gagne, en fait, yon nouveau haïtien noir, et Eric Adams qui montait. Et surtout, pour haïtien, yon gagne trois concilmen, et concilwoman, femme, gagne, en fait, Farah Louis qui était là. Et gagne Mercedes Narcis avec Rita Joseph, qui me pensait qu'il pourrait le remplacer. Et en fait, premier concilmen haïtien qui montait dans ce concile-là. Et que nous avons avec nous matin. Docteur Eugène, et semaine, nous avons une bonne semaine pour nous, pas vrai? Et bon, nous avons fait une semaine qui est très belle, qui est très significative et qui est tout en pile. Nous avons un peu de bâche, qui installe tout, c'est comment je dis ça. Nous avons trois haïtiennes qui montent dans la cité continentale sans bagage historique. Et puis tout, nous avons une mère qui est noire, qui est en communauté, comme nous tous connaissons. Nous avons une belle semaine. OK, now 17 novembre Gabin là moi ou même tout et comme premier consommateur haïtien qui rentre dedans et qui font chemin par exemple pour l'autre et gon gros event que en fait qu'on ou initier qu'on va faire là ou du moins qu'on va célébrer 17 novembre ça lié exactement. Eh bien faire 14 novembre, c'est-à-dire dimanche 14 hein. 14 novembre, dimanche 14 novembre, nous avons un gros événement à faire là qui supposé intéresser tout haïtien. Quel que soit côté haïtien à vivre là, quel que soit côté haïtien de prendre naissance là. Nous allons nommer Flagouche Avenue. Flagouche Avenue qui est une rue principale qui traverse toute Brooklyn. Nous allons nommer Flagouche Avenue Jean-Baptiste Point du Sable Boulevard. Ça, c'est une loi qui a été introduite dans City Council là. Loi, ça a été votée overwhelmingly, tout City Council member a voté. Eh bien, ça va nous droit. Pour nous mettre non Jean-Baptiste Condussard dans Flac du Chavenou, pour Flac du Chavenou, nous donner Jean-Baptiste Condussard Boulevard. Et historiquement, est-ce que vous pouvez expliquer qui ça représente le personnage, ça, et Jean-Baptiste Condussard? Évidemment. Et Fayette, si vous regardez, par exemple, la situation du pays, vous voulez là, et son même bon travail, l'arrache-pied sous lui, ou tout qui voit quoi que ce soit, ça, le pays, nous avons une situation qui est très déplorable, qui est très pénible, et bien, qui fait un pile haïtien inquiété. Et puis en même temps réfléchir sur ça dedans. Et à cause de situation pénible à ce pays noir, situation déplorable, la façon que vous recevez ici à l'étranger tout, eh bien, il n'est pas même bien avec le pays. Ça a affecté le respect nous, ça a affecté la dignité nous.
Et mais là, nous regardons, par exemple, nous les Haïtiens, nous avons un paquet à tout, chaque Haïtien, dans chaque pays qui va vivre, il faut faire pile d'efforts. Le travail dur, quel que soit le domaine de travail là, de contribuer sous valeur, sous vendeur pays ça, que ce soit à New York, que ce soit au Canada, que ce soit en France. Nous avons par exemple le taxi driver, nous avons conduit taxi, nous avons un médecin, nous avons un avocat, nous avons tout le bagage. Il nous fait partie de fabrique pays ça, nous contribuons dans la valeur pays ça, mais individuellement, ensemble. Haïtien, nous avons un petit côté, on a une petite chance de la monter. Maintenant, nous regardons en tant que nation, en tant que pays, on va tout le temps dire, mon cher, nous derrière tout le monde. Et ça a affecté quel que soit Haïtien. Mais d'après les mêmes réfléchis sur cette situation, nous-mêmes, nous les Haïtiens, nous avons une obligation morale pour nous utiliser tout atout que nous gagnons, tout ça que nous gagnons pour nous remonter valeur, pour nous remonter morale. Non, mais en gros, ça veut dire, on présente là, nous avons pile ressources, nous avons pile talent, mais nous avons un manque de coordination, un manque de leadership. Nan, en fait, prend valeur ça, prend ressources ça, pour canaliser dans le sens pour faire quelque chose de différent en d'un pays, c'est ça? C'est ça, exactement. Nous avons plus de ressources, nous avons plus de talent, nous avons plus d'intelligence, mais cependant, il faut nous rassembler, nous, pour nous rassembler le talent ça. C'est la raison pour laquelle, le 14 novembre, nous avons un grand événement capable. C'est pour qui ça? Parce que l'histoire, nous, c'est une plus gros projet de l'intégrité. L'histoire, nous, nous pas caché ça, nous n'avons pas éliminer ça. L'histoire, nous, c'est une grande histoire, nous tous connaissons ça. Mais cependant, les gens regardent la télévision, le journal, c'est pas grave qui pis mal là, qui pis dégradé, nous on y a compté. Non mais et c'est ça que nous faisons spécifiquement focus sur l'histoire. Qui ça Jean-Baptiste Pointu ça représenté dans l'histoire pays États-Unis? Qui ça par exemple Moussa qui d'origine haïtienne ça? Dis-nous exactement ça représenté. Bien content, c'est une belle question. Jean-Baptiste Pointu ça font entendre non seulement monsieur sont pionniers, sont immigrants, sont ancêtres nous. Donc, son modèle lié non seulement pour Haïti, mais pour tout le monde qui a vu ou d'aller. Jean-Baptiste Pointu Sahab, son Haïti, je suis en Haïti qui vivait aux États-Unis. C'est monsieur qui nous dit, il y aurait monsieur fondateur de Chicago. C'est un des premiers monde qui est arrivé dans la zone de Chicago, et bien qui développait un série de bagages. Monsieur fait business, monsieur fait post office. Monsieur fait pas quelque grand posé et infrastructure qui est basé sur eux, que Chicago et Chicago pour bien là. C'est tellement vrai. C'est dans Chicago, on a pris une école, un musée, un fonds, qui est un pile bagage que nous mettons dans Jean-Baptiste Pointu Sahab là-dedans. Raison qui fait après ça, les gens qui ont gardé aussi le bagage de la télévision, ils ont pensé que c'est ça qui est ici. Donc, pas bon, mais non, par exemple, pour arriver là, qui démarche ou fait pour arriver et en fait, faire mon yo, mettre ça sous plat de bouche, changer de nom, et qui démarche normal que, en tant que en fait électeur d'officiel ou TVP? Évidemment, c'est une belle question encore. Et bien, nous avons entré en loi. Une loi pour nous demander, et bien, pour CITIA permettre de nous mettre non Jean-Baptiste Pointu Sahab, et bien, dans la flamme là, comme un monde qui contribue aux États-Unis. C'est une démarche qui m'a fait couler là. Nous avons pile bagage à faire pour les États-Unis. Nous avons pile contribution à faire pour les États-Unis, sans cette nom, et nous-mêmes, couler là. Bagage ça va nous mettre en évidence. Pour nous, nous connaissons les Haïtiens de faire partie de côte de fabrique pays ça et nous balle en pile contribution. Ok, now, c'est à qui là il vient de commencer et le 14 ans? Il vient de commencer exactement à 4h de l'après-midi. C'est dans le côté du Wall avec Frank Bouchabi. Nous avons pile l'électeur officiel cap là, en pile l'autre nation. Et maintenant, on est tout Haïtien pour nous venir. Parce que les Mounio a gardé, a venu avec un petit drapeau. Si nous n'avons pas un petit drapeau, maintenant, nous drapeau. Les gens qui ont regardé, on parle dans les siens là, à flotter, tirer à peau, il y a vraiment des sacs passés là. C'est pour nous faire connaître que nous avons célébré contribution dans cette nous, Jean-Baptiste Pointu Sahab, Yon Haïtien qui était fondé Chicago. Et laissez regarder dans notre Dieu. Laissez regarder dans notre valeur. Bon, on a souhaité que mon capable faire déplacement et le 14 là ou 10 à 4 de l'après-midi et continuer avec la bouche qu'on a que n'a pas tout haïtien et pour célébrer comme on dit image pays d'Haïti, non pas seulement ça y a dit mais nous ba contribution par nous tout dans développement pays ici. Et continuons, merci. Merci beaucoup Fayette.
Ou même qui sont professionnels certifiés, qualifiés dans HHC, LPN, RN, et Housekeeper, CTF, Room Care Services, 38 Glen Road, Brooklyn, New York, gagne job pour vous, avec tout bénéfice. Et ou même qui sont senior citizen qui besoin d'aide, depuis vous gagnez Medicaid, Medicare, Professionnel Care CTF, ou après soin ou tant que vous voyez checker santé ou, et ou même fait de même abédo fait si manger ou, londri, accompagne au cas docteur, avec nos maquettes. Et pas oublier CTF, Room Care Services, gagne service physiothérapie, speech therapy, avec médico-social CTF. Web Care Services, 38 Glenwood Road, Brooklyn, New York. Téléphone 718-856-6800. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette, offre un pile service tel que rachis dents, cleaning, plombé dents, route canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Au corps de Park Slope à Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant, elle rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de Bécaneuf prépare des plats caribéens ou transcende des choix tels poisson, tasseau, griot, légumes. Bécaneuf Bar Restaurant, 62 5e Avenue Brooklyn, New York, téléphone 718-789-2176. H&M Bed in Furniture, qui établit dans Carnesy Brooklyn, offre tout un variété de meubles. Salon, salle à manger, chambre à coucher, matelas de toute qualité. Une équipe professionnelle courtois, sérieux à nous pour aider aux joindre meubles à chercher. 1958 Rocoré Parkway, Brooklyn, New York, 315-968-5406. Bon, on a fait tourner avec le docteur Duchesne Matéen, sur l'affaire de Corona, docteur. Qui ça a gagné ce semaine-là? Bon, bonjour tout le monde. Dans Corona, semaine ça, c'est que il a commencé à mettre le vaccin, Timon de 5 ans à 11 ans. Il a commencé avec Pfizer, dose Pfizer, pour réduire l'effet Corona dans Timon. Il a estimé qu'il y a à peu près 29 millions de Timon dans l'âge ça. Et puis, si vous avez un vaccin, vous avez épargné à peu près 600 000 personnes de contracter. Est-ce que vous avez des gens qui sont affectés dans le corona? Oui, il y a des gens qui sont affectés. Et toujours, c'est juste nous, bon, nous sommes relativement bas à cause de l'immunité. Mais l'effet vaccin, vraiment, c'est prévention que vous avez. Parce qu'en général, vous avez des gens qui sont très résistants à le corona? Oui, en général, vous avez des gens qui sont plus résistants que grand monde. Mais ça a remarqué c'est que surtout la majorité de grands monde qui fin vacciné, yo wè que corona l'a vraiment augmenté dans ti moun. En particulier c'est plus ti moun de 16 ans et montant. Et yo plus wè que corona la et moun de 16 ans à 30 ans. Donc moun de 21 à 30 pas ti moun encore, mais c'est les jeunes et qu'on a même et grand pile parents qui étaient peuvent voir ti moun à l'école à cause de le fait que pourquoi de vacciner. Et il y a toujours un petit monde qui a eu le corona et qui a même mouru de corona. Mais où dit c'est Pfizer ou pas, est-ce que vous avez une raison pour ça? Oui, c'est Pfizer qui est premier à prouver. Moderna, avec l'autre qui a travaillé, puis capable de faire des études. Et c'est pourquoi il finit. Donc, mais ce qui fait une autorisation d'urgence, non, mais ni CDC ni FDA. Donc, c'est ça qui fait commencer. Bah, Texas a commencé, New York City a commencé. Et jeudi. Et donc, il a même fait des arrangements pour si vous voulez prendre un vaccin dans le centre, le soir, disons, les parents au fin à leur travail ou bien si vous voulez à l'école, des centres que si vous voulez prendre un vaccin le soir. Il y a des apparemment que, après, si vous voulez affecter un pile pour faire l'école, pour si vous voulez à l'école, complications. Oui. Oui, et encore, ça qui est plus frappant contre si vous c'est qu'on a vraiment pas les mêmes. Disons gravité des faits sous timonio, mais c'est que le cas transmet aux grands-parents et puis surtout n'est pas vacciné, donc c'est ça que mais pas grand, autant de résistance que grand monde n'a fait pour un vaccin parents qui disent bon bah petit vaccin non bon ça dépend de qui association politique parents et philosophie parents par exemple moi j'ai gagné deux Simon d'âge bas qui n'a le peut-être pour un vaccin, mais m'a assuré que pour un vaccin, parce que même moi-même pour un vaccin. Donc ça veut dire pas un pour un vaccin, mais un vaccin. Ça pas pour eux. D'habitude, oui. Parce que quand il y a même une nouvelle terminologie, les Covidio, ah avec bon? Covidien, donc Covid avec idiot, qui veut dire tout le monde qui a pris une résistance, si vous parlez pour un vaccin, c'est nouveau terminologie, c'est Covidio. Donc, où est le monde audio? Eh bien, moi, non, c'est ça, moi, m'a dit dans le New York Times. Bon, et puis, on l'a dit, tout le monde qui a même connaît, et gon site que gouvernement mette c'est vaccine avec s.gov. Sou besoin konnen ki centre nan zone pa ou ka bay ti moun vaccin. C'est vaccine vacines.gov. D'accord. Merci docteur.
L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission sociopolitique. Maintenant, on a coin du livre et nous avons avec nous Luciano Benjamin qui vient avec Communication et diplomatie. Bon, en fait, c'est titre livre ça que en fait, nous connaissons trois étudiants, Jean Walter Dessiné, Saint-Tony Fanfan avec Mozart Lombard. Et fait travail ça, et c'est sous direction professeur Erol Toussaint que fait travail ça. Luciano, exactement ça qu'on a travaillé là. Bonjour docteur Fayette et bonjour à toutes les amis téléspectateurs de Haïti Première Classe et plus précisément fanatiques Le Coin du Livre et de la Culture. Eh bien, livre ça que nous présentons au matin, Communication et diplomatie, c'est un travail qui est dirigé par Erol Toussaint. C'est un travail de trois étudiants qui dans CUCI. Eh bien, non, c'est John Walter Destiné, Saint-Tony Fanfan et Mozart Lombard. Exactement, ça, monsieur, ça, qui ça, à qui conclusion que vous tirez sous ta gain by libre, hein, trois fois, qui ça le dit? Wow, trois phrases, elle va là, difficile. Mais. Qui ont défini le travail là d'abord? On défini le travail là, un rapport que monsieur a fait sous. Ça qui est pour le avec diplomatie et communication. Et il y a allé sur influence les États-Unis sur Haïti, parce que Haïti est reconnaître par les États-Unis en 1862, côté États-Unis établit relations diplomatiques avec Haïti. Mais depuis lors, c'est une relation de dominance que liée de préférence. Mais ça, c'est, on va essayer quoi, bon, là. Je ne parle pas exactement du travail que monsieur focus là. C'est dans le livre. Non, ça, il faut que je comprenne. Mais now, qui focus recherche exactement sur qui ça fait travail ça pour établir le rapport qui est entre communication avec diplomatie? Ben, le rapport communication avec diplomatie, c'est que travail, ça, c'est le travail que monsieur fait pour aller chercher qu'on est, qui rapport qui gagne. Exactement, quand il a cherché le rapport ça. Il a cherché le rapport ça dans l'étude que vous fait sur des discours. Que des diplomates, tant que Jeannette, une diplomate américaine, Sanderson, c'est la première femme qui était diplomate, qui était représentée les États-Unis en Haïti. Donc, combien de discours exactement analysé? Ben, ils ont commencé à analyser discours depuis 2005 à 2009, qu'ils ont analysé discours, 2006 à 2009, ils ont analysé discours, et puis ils ont relaté le travail en ténor firmé, ce qu'on fait dans l'époque Pali, parce que en 1854, côté que les États-Unis, les vins ont établi la loi de doctrine de Monroe. Ok, now, ou dites que focus là, il fait sous les discours. Sous les discours que Jeannette Sanderson écrit de. En Haïti. Combien de discours? Plusieurs discours. À chaque 4 juillet que les États-Unis. Non, mais parce que vous spécifiquement dit. De 2006 à 2009, chaque 4 juillet. Diplomates américains, yo gen un discours de circonstances okay, présenté que, et de, que jeunes ça yo analysé discours ça yo pour capable voir rapport qui gen relation diplomatique qui gen entre les États-Unis avec Haïti qui j'en li établi. Le problème que yo joine dans travail de recherche c'est que États-Unis par à travers diplomate li yo toujours a influencé Haïti a bay l'ordre ça pour yo faire. Côté que si c'était Haïti qui t'a pris position ça par rapport à les États-Unis, eh bien, diplomate haïtien ça, quoi me souvenez, les États-Unis t'a déclaré les persona non grata. C'est ça, monsieur, vous dit. Mais oui. Ok, now, qui ça, qui élément d'analyse, qui point qui retenu dans le discours ça, qui faut quoi que vous exprimez dominant ça sur Haïti, États-Unis par exemple? Bon, dans le discours, côté que vous expliquez, ça qui a passé par exemple, journée jodian là, côté que. Haïtiens pas gain aucune prise de conscience, yo vann conscience yo à les États-Unis
tout ça que les États-Unis dit li bon yo pa non, mais qui ça États-Unis dit dans discours yo dans discours qu'a dit quoi parler ou t'a parlé là dans discours qu'a dit qui ça relaté qui Jean États-Unis posé ça relaté il y a bay Haïti l'autre que ça est pour Haïti faire il y a par exemple est-ce que un diplomate haïtien capable rentrer Washington pour le dire qu'on est là nous bouquer avec parti démocrate parti républicain indépendant yo faut que nous commencer mettre prendre la rue pour nous voter OK en autre terme il y a des bagages qu'a dit exactement dans discours ça monsieur a dit les politiciens ça pour faire exactement pas gain respect pour la diplomatie haïtienne là li vini comme si on bagaille débandade complètement donc en autre terme avait dit que monsieur yo prend des discours de Janet Sanderson ambassadeur américain pour yo établi qui j'ai communication fait entre pays entre superpuissance et pays pauvre et faut que nous tout que yo fait un rapport de police côté que États-Unis déclaré tête li comme policier de la Caraïbe mais presque tout le monde là avec influence li européen yo yo imposé yo avec le rapport de Monroe li pas européen yo pas capable vienne faire quoi que ce soit dans Caraïbe là sans que les États-Unis pas approuvé mais pendant ce temps les États-Unis lui-même li vini policier monde là et la ou utiliser ressources type pays ça yo en abonnement. OK now. Communication, diplomatie. Qui grande conclusion qui tire dans livre ça sur dans communication en thème qui gens li refléter type de diplomatie. Ça veut dire dominance américaine sur Haïti. Ben dominance américaine ça que tu monsieur dit qui t'a nécessaire qui pour fait c'est pour Haïti ramasser caractère et que kounya là pour capable faire face avec besoin pays yo parce que au point de vue de responsabilité haïtien yo pas prend responsabilité yo en main li temps étant que diplomate nous connaît son rapport de force qui existait c'est vrai mais ça pas empêché que haïtien yo même yo ramasser caractère yo pour capable à représenter pays en valablement et chercher ça qui bon pour Haïti pour permettre que Haïti rive monter sur reine développement. OK. Non, qui finance comment c'est ça, veut dire ici c'est tout normal. D'accord. C'est ça qui va continuer jusqu'à présent. On a pris de là et semaine prochaine on va voir ça pour nous, OK? Merci. Haïti première classe, bon qui choy. On connaît un fond coup de pied dans l'écoute côté qu'on business expo qu'a fait et avec Daniel Ulysse révérend qui suit les lieux avec Roger Monel capé en fait fait caméraman pour nous. Daniel, qui a question dans l'écoute là. Bon, et nous saluons tous les amis téléspectateurs qui ont regardé Haïti première classe. Nous venons dans Lakewood, New Jersey, côté que des centaines d'entrepreneurs juifs de Jewish Business Expo. En pile millions de dollars qui ont lancé là. Nous croyons que les Haïtiens ont en pile bagaille pour apprendre en juif. Gens ont organisé business, gens ont organisé politique. Donc, c'est deux bagailles qui sont importantes. Donc, c'est des milliers de dollars. OK, now, qui type de business qui est dans l'expo ça, Daniel? Bon, il y a tout cas de business, de real estate, par exemple, nous haïtiennes, là, incroyable, qui a embrassé millions de dollars d'appartements sur le commerce, il y a quelques années, mais commerce. Mais en même temps, il y a un monde qui, dans tout cas, les bagages, panneaux solaires, et en compagnie, qui fait engineering, qui fait bagages pour air conditionné, tout cas de business, fourniture, you name it, all kinds of businesses, big and small. OK, non, exposition comme ça, en fait, par exemple, qui est l'initiative là, sorti exactement, Daniel? L'initiative là, c'est Jewish Business, c'est des juifs orthodoxes. On a un juif divisé, un juif libéral, qui est conservateur, qui est orthodoxe. Donc, c'est Jewish Business Exposition, c'est des juifs orthodoxes qui sont dans New Jersey là, tout hier. Actuellement, il y a un magistrat, il y a trois magistrats qui sont en roi. Il y a toute chambre de commerce qui est là, qui est chef de police, qui est passé qui est là. Donc, l'exposition, ça les réunit business, les réunit officiels de tout. OK, now, vous parlez de business ou parlez d'officiel? Est-ce que business, ça, c'est business qui sont dans nous? Toutes ces New Jersey, oui, ou bien qui en dehors de New Jersey qui viennent dans l'expo? Non, l'expo a gagné, comme on dit, prioritairement, c'est juif, on les connecte Israël avec New Jersey, l'écoute. Donc, dans le pays de l'Israël qui est là, il y a des juifs sur Israël, il y a des juifs qui ici, mais en même temps, il y a tout le monde qui n'est pas juif. Moi-même, moi là, il y a un haïtien qui est un modèle, et il y a un haïtien qui est un haïtien, et Haïti première classe, l'année prochaine, nous avons un table pour tout le monde qui travaille en fait, et nous permettre au monde qui a regardé la carrière judiciaire suivre la première classe. Moi, je fais une activité qui va faire 5 décembre, non, il y a plus d'images, plus de travail. Qui j'ai pour nous faire millions, pour nous faire propre, pour nous bananiser dans la patrie à côté de l'Haïti. Oui, mais c'est, Daniel, ça sont pas pour business. Ça veut dire que nous avons besoin d'un monde qui est business. Comme c'est déjà, qui pourra sur les lieux. Par exemple, on est sur les lieux, par exemple. On dit, par exemple,
et Gimbeske College qui a sur les lieux en dedans dans l'expo comme ça. Qui vient de contact pour cette capacité, il y a plus business? Gen anpil kontak, ou fè network, anpil business card, ou anpote avèk moun ki diskute business, si business, go business, tout kalte moun nou anpote. D'ayè, gen Haïtien la, kap pou fan, malgré tout kolèm gais la pale de Haïti, nou pale vwè exposition ba ek la fè de Haïti. Donc sa fè... Ok, Haïtien fè real site. Ok, Haïtien fè real site. Par exemple, ki jan de deal, ki jan de koneksyon, kontak ou panse, on Haïtien kapab jwen, nan anpil expo kon sa, pou kapab vin fè plus biz, Haïtien sa vin fè plus kob, van plus kaj... Fait, vous touchez un bail qui est tellement important. Real estate, tout le monde a sauvé qui est New York, pas capable. Il y a des New Jersey. Donc, ça, c'est une discussion pour les gens qui ont acheté, pour des investisseurs. Il y a un bank, il y a un investor bank, pour pas qu'il y ait une banque nouvelle là. Pour apprendre à discuter, qui gens pour nous bâtir, construction. Donc, c'est des bagages qu'on a acheté après pour nous. Même pour un quartier, pour ne pas le partager. Real estate okay. Développement. Daniel, qui j'en nous nou même haïtien ta ka gade modèle ça nous ta ka utilisé pour nous faire développement business la kay nou. Modèle business ça comme on dit, c'est monde qui expert. Par exemple, nous gen expert, monde qui là qui pour parler de ça qui connaît pas exemple même pas connaît en real estate. Mais comme on dit, nous gen un saisi moi haïtien qui sont type bien qui là qui a exposé by self you are. OK madame Brenda Romeus en tant que real estate agent qui ça qui avantage vous pensez ou tirer de en fait dans business expo aujourd'hui? Oh wow. Bon quand même fait même 5 minutes dans expo. Monsieur investor from New York qui dit moi New York comment c'est changé. Li wè moi gen licence Pennsylvania, li wè moi gen licence Delaware. Li di mwen, li gen l'ajan, relèl, la pache. Pondèl ou gen 14 ans, depi ou di mwen wapè vini nan expo sa. E ki yon wane sa, exactement? Avant tout, mwen mèsi yo pou mwen sa. E depi 2014, mwen se yon mwen aktif nan Autodax Jewelry Chamber of Commerce. Se yon nan pik vò chanm de koumès e pep jifrake isi yon Tajouni. Ke mwen mwen fè pase la. Ane sa, sou lòt fè anvò ki pou patisipe nan expo sa, pou de gampil biznis, de gampil antreprenè investisyen ki la, nou mèm, nou mèm prezante pou di yo, nou mèm prezante sertis yo e biznis ki yo fè. Nou mèm se yon nan moun ki jodia, mèm pou yon pou mèm prezante travay ki mèm fè, la kèsyon sa fè pou mèm fè yon Haïti. Bon, exactement, ki sou fè pou mèm fè yon Haïti? Ki sou gen prezante la nan expo a? Bon, comme on connaît assez souvent, et nous parlons de problèmes pays d'Haïti, même quoi que les leaders pour activer ce solution. Le travail que moi-même que je m'entame, que je fais avec l'équipe, c'est promouvoir l'opportunité business qui existe en Haïti pour que les étrangers les mêmes capables de l'opportunité. Donc, si vous ne voulez pas dire ça, je ne vois pas ça. Ça, vous connaissez, ça vous connaissez, ça vous connaissez. Mais qui est l'opportunité vous offrez exactement, Monel? Qui est l'opportunité vous offrez, Mounza, qui est là, je vous dis à un expert? Il y a un nombre qui est important dans le pays d'Haïti pour y aller. C'est que malheureusement, dans la situation chaotique, ça a plein d'opportunités pour le business. Nous allons parler. Par exemple, est-ce que Haïti pour y aller, il y a besoin pour nous développer agri-business, développement agriculture pour faire notre business? Oui, parce que nous manquons des outils, nous manquons des matériels, nous manquons des infrastructures, nous manquons des bagages. Ça, c'est une possibilité pour que diaspora investisseurs puissent en Haïti. Est-ce que Haïti pour y aller, il y a nécessité pour que plus de manufactures capables de business en Haïti? Oui, parce qu'il y a des quantités de monde qui sont en chômage. Chaque fois qu'il y a des quantités de problèmes, OK, Monel, est-ce qu'on arrive à convaincre Monel, est-ce qu'on arrive à convaincre en quel monde pour investir dans Haïti dans convaincre aujourd'hui? Eh, amis frères sœurs Kafkade capitaine de Nassezi. Nassezi là que nous rencontrons avec ces deux investisseurs businessmen nous expliquer opportunité Haïti tout dit oui c'est vrai ça nous dit parce que nous comprenons le langage business nous comprenons le langage situation économique nous pays qui a problème dans le pays d'Haïti OK pas oublier tout le pays d'Haïti pauvre et bien c'est là que nous avons moyens pour mettre business pour travailler pas vrai tout le monde travaille là-haut
à chaque fois que tu fais d'Haïti, pas de livre, pas de carré, pas de poule, pas de crayon, c'est une opportunité. Qui donc, là, m'explique le problème, ça manque, ça a besoin. Je dis, mais c'est vrai, ce dia, je vais acheter mon. Est-ce qu'on a un rendez-vous, une opportunité claire qui paraît devant là en termes de monde, qu'au journal Expo, je dis à qui voulait investir en Haïti, Monel? Et grâce à Dieu, et nous parlons avec un peu aujourd'hui, oui, mais c'est mon bagage qui nous a fait aujourd'hui. Ce travail qu'on a fait, mais ça a environ deux mois, et pour ça, nous commençons tout officiellement. Okay? Il a fait ça. Nous travaillons de concert avec les institutions dans le pays d'Haïti, tout, pour que nous-mêmes facilitions le tâche, parce que nous avons une équipe qui a travaillé en Haïti, nous avons une équipe qui a travaillé pour aider, identifier l'opportunité. Aider, rencontrer avec investisseurs, businessmen qui pourraient opportuniser de travailler en main pour avoir l'affaire. Ok, d'accord. Et Monel Nabdou, merci. Nous souhaitons venir en plus de détails en studio sur question ça, parce que je pense que c'est extrêmement important, parce que nous avons besoin de job dans le pays, nous avons besoin d'opportunités étrangères entre tout. Mais sauf que je pense que le contexte est un peu difficile à cause de la sécurité. Mais je souhaite que si nous travaillons comme ça, il y a une opportunité ou une sécurité à baisser. Ça va ouvrir la porte pour un pile à essayer un job. Merci, Bonnel. Et en gros, Daniel, qui soit apprendre de en fait journée ça, journée Expo Business ça, soit apprendre nous-mêmes. Bon, journée ça, nous là, nous avons une délégation qui sont ici Saint-Martin. Nous avons une délégation qui est aussi qui l'a sorti New York. Il y a plusieurs mondes sur plusieurs côtés. Nous allons permettre pour les mondes. Nous avons fait échange, nous avons fait network pour nous capables d'introduire Haïti. Pendant que la zone nord n'a pas eu trois problèmes, nous avons évité les mondes qui ont regardé le nord. Nous avons investi dans le grand nord, nord, nord-est, nord-ouest. Nous avons des citadelles, nous avons toutes les activités économiques. Il y a business, il y a tourisme, il y a des échanges qui sont faits entre Israël, avec les États-Unis et avec Haïti. Donc c'est ça que nous faisons. Nous donc, si vous comprenez bien, et ça nous t'a prendre, nous t'a peut-être prendre des investissements, nous mener sur place dans le nord pour exactement qui est en fait investi dans l'infrastructure touristique dans le nord. Eric, comme Fortune qui t'a bien dans Jamaica Queens depuis 15 ans, fait qu'on est la ferme porte. Il y a toute qualité soulier dans l'inventaire. Soulier toute marque, toute qualité pour tout le monde, jeune monde, grand monde. La vente en gros en détail. Adresse 276 on Jamaica Avenue Queens. 718-465-2860. Accordia Shipping, qu'on dit sensible pour véhicule, quel tes camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit jeep, c'est la gueule qui est posée, non mais Accordia Shipping, et puis nous badge la déposé dans Port Saint-Marc la boue. Adresse nous, si vous êtes New Jersey, 150 Moss Street, New York, quel que soit state ou à vivre, dans 201-993-5723. Miguel Restaurant and Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Rosberry, 516-338-4933. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita demander des monde pour mener un cas docteur? Vous perdez du jour de travail pour vous occuper? Pas de raison pour continuer à absenter, c'est un embarrassement pour la famille. Parce que docteur Kevin Well, la caillou. Rough and House Call a fait un bon chance sur la caillou. Que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caillou. 855-800-3444. 855-800-3444. Bon, nous avec nous, Bernard Henri Poitvien. Monsieur, c'est lui-même qui est responsable. Association internationale Moringa qui est de passage ici dans New York, c'est ça? Oui, c'est donc, ça. Donc, association exactement ça lié? Eh bien, association, c'est une organisation et qui est là pour promouvoir le reboisement et environnement, et santé, nutrition et surtout et développement économique. Mais focus là, c'est Moringa? Focus là, c'est à travers Moringa, okay. C'est ça. Moringa, ça lié exactement? Moringa son pied-bois, c'est une pied-bois qui grandit plus vite dans le monde là. Il grandit près de 3 mètres par année et il est très résistant à la sécheresse et à mauvaises conditions. Et quand vous découvrez pied-bois ça, Moringa ça à côté nous découvre, quand est-ce qu'il vient dans Haïti? Eh bien, pied-bois ça a gagné plus que 200 300 ans en Haïti, mais il y a plus qu'on elle plus de 5000 ans en Inde et en Afrique. Et il y aurait le pied-bois miracle, the miracle tree ou bien pied-bois la vie. The Tree of Life. Non, pied bois ça, ou dit c'est un nain qui sorti. Qui y soit, depuis qu'il est nous-mêmes nous fait contact avec, qui est sorti, il va Haïti. Eh bien, bon, on connaît toujours des conquistadors qui ont voyagé, et dans ce sens, ça,
depuis que j'ai un bar qui était bon dans tel pays côté ta voyage, j'ai toujours essayé de propager ou bien dupliquer dans l'autre côté à conquérir ou bien coloniser. Donc mais c'est comme ça moi engagé. Non mais de qui année bonne petite histoire qui vient sous dans l'année en Haïti. Ah bon, depuis l'époque Christophe Colomb. Ah bon, tu étais en Haïti déjà? Il était en Haïti déjà. Non mais on même qui ont fait contact avec lui pour venir entrer dans l'association ça. Eh bien, c'est un colonel de l'armée américaine qui descend d'Haïtien. Ah bon? Et puis, madame ni biochimiste. Et puis, il était venu présenter un peu bois. Il dit que il connaît que famille dans le jardin, dans la production. Et puis, il dit que il a un profil pour un monde qui était avancé, marché, avancé, industriel. Ah bon? Donc, c'est comme ça que je suis. Et depuis, le colonel a fini, il est bon. Ça, qui ont entré là-dedans, qui ont développé. Bon, mon cher, et ma pauvre petite parenthèse, qui sont une petite histoire, c'est que depuis toute vie, je me suis toujours dit pour mal faire jardin. Moi, je ne sais pas jardin, mais ce n'est pas jardin, mm-hmm. Mais que je me grandis là-dedans depuis à l'âge de 1 an et demi. Et grand-père, était cultivateur, il était fait jardin en pile. Dans quelle zone? Et quoi de bouquet? Mm-hmm. C'était, bon, il passé, il traversé, et 10 janvier que je suis passé à là, mm-hmm. à 94 ans. Et ben il était tout et fait c'est un monde qui était très influent dans la communauté, il était fait 18 ans député de la Croix des Bouquets, mm-hmm. c'est lui qui était fondé lycée Croix des Bouquets, mm-hmm. et il était fait un pile gros travail que même USAID avec et Winner fin a continuer projet que grand-père m'était initié dans la Croix des Bouquets. Donc ça veut dire que projet mon gars là c'est Croix des Bouquets lié. Nous commençons le Croix des Bouquets mais nous propager à travers pays. Mais depuis qu'il le projet s'est développé dans Croix des Bouquets depuis qu'il 2007. 2007 dans qui point nous est connait. Bon, actuellement, et nous avons un point pour nous scale up, ça veut dire pour nous prendre un marché et global. Là, et nous avons visé premièrement les États-Unis et le Canada parce que c'est la plus proche de nous-mêmes. Mm-hmm. Et en même temps, tout, et nous pouvons aller en Europe. Conseil de produits, par exemple, passer dans l'aéroport, dans les moyens de produits, c'est le même produit ça. C'est le même produit ça, mais ce n'est pas le produit que nous-mêmes nous faisons. Okay. Et à l'exception que tout produit moyen est bon, mais ce n'est pas tout le monde qui compte faire et moyen à un niveau. Est très efficace, très efficient, très potent, très et de d'accord, d'excellente qualité. Donc vous dites gain pied bois moenga. Oui. Qui j'en arrive faire le développer faire produit que ma pour. Eh bien et avec des usines, des centres de transformation et grain pied bois moenga, living carbon n'importe 6-7 différents produits. Tant coup parmi lesquels ou joine poudre moenga ou joine feuilleté moenga. Ou joine fleur de moringa, ou joine graine moringa, et l'huile moringa, et ou vin café tout. Donc ça veut dire c'est tout ton série d'industrie. C'est tout ton série d'industrie. Par exemple, vous avez des produits qu'on gagne là. Est-ce qu'on gagne des machines qui ont eu des produits l'huile, gagne poudre, gagne maquille. Nous avons tout une structure industrielle pour nous faire ça. Nous avons tout une structure industrielle. Et nous avons un centre de transformation qui a une capacité de 20 tonnes par jour, qui c'est 20 000 kg. What? Et imaginons, c'est ça qui fait un apprenti vraiment dans mettre nous dehors sur le marché global. Parce que je ne crois pas que Haïti a consommé 20 000 kg de produits moringa par jour. Mm-hmm. Donc, nous voulons vraiment. Et par exemple, avec insécurité, problème, ça va bloquer. Oui, ça affecte nous dans quoi des bouquets, en pile. Mais et l'autre idée nous gagne, c'est que nous voulons décentraliser et en partenariat avec des propriétaires terriens ou bien des paysans ou bien des investisseurs, nous voulons dupliquer le projet ça à travers les provinciaux. Est-ce que nous déjà dans différents côtés de la province déjà? Et nous, actuellement, nous sommes Trujillo, dans une zone cabaret qui est à côté de Casal. Mm-hmm. Donc nous là, et nous plateau central, mm-hmm. dans une zone Savanjan. Nous avons mm-hmm. Saint-Michel de la Talaye. Mm-hmm. Donc, Kounia, nous voulons diversifier nous un peu plus. Et une stratégie que nous avons menée, c'est collaborer avec des gens qui influent dans la communauté, mm-hmm. des leaders communautaires, ou des artistes, et des, par exemple, salons de beauté, ou bien des barbershops, ou bien des hôtels, des spas, et mm-hmm. des gens qui utilisent les produits. Pour utiliser les produits. Pour utiliser les produits, pour leur qualité, pour leur efficacité. Si vous avez valeur, qui respecte le produit moringa, je viens de souffrir. Bon, mon cher, là, nous t'apprenons que le produit moringa, pour nous approuver par FDA, tu as tout un panoplie de tests que nous devons passer. Donc, nous approuvons. Nous approuvons. Et son fierté pour Haïti, parce que Haïti a un peu de gold. Parce que Haïti, l'obgade, nous sommes, par exemple, le monde, c'est un petit village, mm-hmm. et c'est qu'on compte un football lié.
Okay. Chaque fois qu'on importe un produit, c'est Gaulle qui prend parce que il fait économie mal. Mais qui Gaulle nous-mêmes nous baille, qui produit nous fait. Avec moins un gars, nous avons Gaulle. Ah, nous parlons en pile Gaulle. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez une information que vous pensez que vous avez connaître pour associer, pour coller dans le projet ça, dans le projet Mouenga? Et oui, en attendant, nous avons invité la communauté hein, et font un coup de jet sur International Association of Moringa, qui abrégé c'est IAM, et nous avons un email nous qui c'est iam.haiti@gmail.com. Donc IAM non, c'est IAM qui veut dire International Association of Moringa. Donc c'est iam.haiti@gmail.com. Vous pouvez contacter nous. Et puis, on va faire un petit coup de jeu sur toutes les vidéos documentaires que nous avons sur YouTube, sur Google, qui articles que nous avons écrit sur nous et feedback et tout ça. D'accord. Merci, Kembe FM. OK. Okay. Merci, Fahed. Bye bye. Good. Haïti première classe. Kembe là. Donc, 14 août vraiment met en pression et qui est plus que normal. Par exemple, nous avons recevoir plus de patients d'ordinaire, puisque nous avons recevoir plus. D'habitude, nous recevons environ 40 à 50 patients par jour. Donc, pour environ 11 jours, nous avons recevoir plus qu'une centaine. Donc, il y a une pression vraiment qui est élevée. Ça fait que nous sommes obligés de gagner plus de bras qui nous permettent de nous faire des services. Donc, nous avons plus de blessés qui viennent. Donc, les gens sont vraiment élevés. Qui est le cas que je te recevoir? Donc, c'est surtout les gens qui ont pied cassé, bras cassé, tête, donc qui frappent dans la tête, donc qui sont inconscients. Il y a une viscération, il y a des organes qui sont sortis dans la voiture. Donc, vous êtes obligé de référer et puis de stabiliser une série de gens et de transférer au Port-au-Prince. Et puis, prendre en charge l'autre cas parce que nous avons manqué quelques matériels pour nous prendre en charge tout. Ok, qui capture tout le nouveau Port-au-Prince? C'est surtout les gens qui ont un trauma crânien, qui ont un polytraumatisme, à savoir qui ont plusieurs côtés crasés dans le col, et les gens ont plus référé au Port-au-Prince. Donc, ça veut dire que qui a ce cas consacré au nouveau Port-au-Prince? Qui est-ce que c'est cas? Donc, nous transférons environ une quarantaine. Et avec qui support? Parce que nous avons un peu donc, c'est surtout nous avons utilisé l'hélicoptère, nous avons un service Aero, ambulance, et même AIT ambulance, et nous avons pu assurer le transport vers Port-au-Prince. Ok, là. Par exemple, pour patients traités, car nous avons traité, je suis sûr que le personnel hôpital va suffire pour arriver à bailler et en réponse qui est appropriée. Qui a été fait pour nous un support pour nous aider? Donc, suite après ces islands, donc vraiment une mobilisation au niveau de la communauté jérémienne, ou bien Grand Anse-Lez, côté que le staff médical a été renforcé, et pas même que nous n'avons pas de travail à l'hôpital, nous avons été obligés de venir main. Et 11 jours après, nous avons été renforcés par un staff qui est MSPP dévoyé, plus MSF qui est venu en rescousse pour nous permettre de prendre en charge presque environ 500 personnes. Donc, ça veut dire que nous avons un pile de docteurs, nurses qui en fait, habité dans. Jérémien, local, qui vient de oui, oui, de, certainement. Alors, quelle est la situation actuellement? Un mois après ces plans? Un mois, donc, il y a un sens stable. Stable en termes de. Parce qu'il n'y a pas d'urgence pour nous opérer encore. Parce que nous faisons opérer tout le monde. Qu'on a assez suivi post-op, c'est les gens qui sont en réhabilitation, en physiothérapie. Okay? Donc, c'est ça qu'on a fait. Donc, il y a des gens qui nous. Et exercer qui peut aller la caillou parce que y a soit caillou écrasé ou du moins c'est un problème de transport et autres donc obligé de mettre là pour continuer à faire séance de physiothérapie avec eux parce que grand pile qui besoin ça
Donc nous manquons matériel tout pour nous faire physiothérapie hein, et puis mon yo tout yo ta gain besoin béquille donc une occasion ça pour nous. Alors est-ce que nous s'il gain des besoins pour qu'on certainement gain besoin pour qu'on satisfaire. Est-ce que nous faisons des démarches pour joindre une béquille ça ou support ça pour nous besoin pour capable réhabiliter. Nous faisons des démarches auprès acteurs qui concernés dans ce sens ça certainement donc et pour merci au fait donc n'a pour merci. OK, na en général qui grand problème de l'hôpital pour fonter dans fonctionnement normal. Normalement l'hôpital là par rapport à service li offre yo gen l'autre service li pa gen. OK, li pa gen service urologie, li pa gen service ophtalmo et service chirurgien manque matériel à savoir outils pour nous opérer, OK, à bloc opératoire tout. Et puis système de l'eau potable pas qu'ça dans l'hôpital là du tout mais qui gagne de l'eau nous avons pu artésien que nous pomper mais de l'eau pas vraiment traité d'armer que et ça veut faire que gestion des déchets bail problème à savoir si gagne plusieurs 35 000 monde par an qui fréquente un espace et puis chaque venir 4 5 sachets de l'eau et les venir jeter au passé par là ça permet que vienne gagner yo même quand jeter dans toilette yo boucher donc si nous même nous avons mettre un système de l'eau potable sous pied ça va permettre que mon venir la venir à un vaisseau et puis prendre de l'eau et puis elle pas besoin venir chercher de l'eau l'hôpital là. Donc c'est un plus gros problème nous gain c'est les disponibilité de l'eau potable dans les robinets. Oui. Now et en général administrativement et sur le plan staff parce que des matériels sur le plan chirurgie que pas gain qui le problème que gain qui mérite adresser pour l'hôpital normal vous avez combien de normalement, j'aime dire là, pour bailler service, vous avez besoin, en plus de matériel, vous avez besoin de capacité installée, avec des espaces, des cabanes, tout, et puis vous avez besoin de tout, ressources humaines. Ressources humaines, c'est le plus important. J'aime dire là, nous avons un urologue disponible dans le département. Mais nous faisons des démarches pour les urologues. Nous faisons des démarches, mais que le dossier est en cours, donc vous avez besoin de pour venir, pour mettre que 500 000 personnes, ou bien si vous avez 48% de garçons là-dedans. Besoin vraiment à l'âge de 40 ans au moins une évaluation et par un urologue. Donc nous avons occasion de ça pour le département. Et non, par exemple, depuis que vous dirigez l'hôpital là? J'ai environ 3 ans, 8 mois depuis moi. 3 ans, 8 mois, c'est le problème, j'ai malgré 3 ans, je ne peux pas vous dire. 3 ans, 8 mois. Donc il y a un grand pile qui est déjà solutionné. À savoir, autrefois, pas de service. Et son intensif dans l'hôpital là mettel déjà néonatologie pas de gagner moi mettel et nous réhabiliter espace qui était écrasé après matchou pas de gagner service administratif ça bâtiment administratif ça nous qui reconstruit donc gain pile et effort qui cap fait et puis n'a cherché toujours mais heureusement que en fait on était à Paris des frappes donc ça c'est vraiment la nature protéger nous. Parce que au niveau grandance, c'est celle-ci qui a une capacité pour prendre en charge 4 automatiques, 4 automatologiques. Imaginons que là, tu es frappé. C'est vraiment, bon, je vous remercie la nature parce que c'est ça. Deuxièmement, par une institution de recours ou bien de secours au niveau de Jérémy. C'est celle, par exemple, si je prends au CAI, après l'hôpital départemental, il y a 5 hôpitaux qui ont opéré. Dans Jérémy, dans Gandans, ou bien si je dis dans Jérémy, pas grand l'autre du tout, c'est seulement c'est d'Antoine. Qui a opéré. Donc c'est une problématique vraiment qui mérite. Donc, et par exemple, vous-même, vous levez directement le ministère de la Santé. Certainement. Donc, on lui demande de l'offre. Oui, moi, je vais du ministère. Je vais faire demande directement à organise ministère là on peut faire tout à d'autres partenaires parce que les partenaires sont là pour aider le ministère. On parle pas de l'international international ou national parce que au niveau national il y a UNICEF, il y a INFPA, il y a HHF tout qui sont organisés qui aident nous un peu comme ils sont institutions de santé mais qui sont institutions de santé communautaire. Donc c'est des organismes qui là. Par exemple de 3 ans et demi pour faire là qui ont un progrès fait, qui ont senti que qualité service qu'à l'hôpital là il y a amélioré, qui ont senti progrès. Et vraiment grand progrès en termes de offre là qui augmenté plateau technique là renforcé tout autrefois tu gagne moins de médecins tu gagne moins d'infirmières mais le problème qui gagne qu'on y a là c'est rétention personnel et spécialisé à savoir si gagne qui nommé c'est votre point sorti maintenant par rapport à moi l'état paye quantité à trop petit il a quitté yo veut quitter et puis yo pas trop venir tout deuxièmement direction de l'hôpital pas grand prise sur parce que si les directions te payé yo chèque là pas d'ouvrir ces sorti que mon avis travail que travail chèque la fête solution m'd'a contrôler yo maintenant si yo déconcentre service yo permettre que finance
Parce que tout chèque qui va mettre l'hôpital là, c'est finance qui va être troisième signatien. Maintenant, si on fait transfert comme ça, sous compte l'hôpital là, il m'a payé tout le monde. Laisse ça, m'a gagné en prison, il m'a travaillé, m'a retiré 30e. On va faire des marches pour mettre sous compte l'hôpital là, on va faire ça. Ça est l'État, il y a une décision de l'État. L'État doit soit une proposition de loi ou bien un projet de loi. C'est donc c'est surtout parlementaire et puis même. C'est comme ça va fonctionner. Merci d'avoir. Très bien. Comme le créole, Capé la Kevoukline, pour bon service, il y a un poisson, boulet à Kibi. Nous sommes en 1444, Flatbush Avenue, en Paragon à Gengoun. Téléphone 718-576-6068. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un SAFRO 3 et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. PKL, Yadgarov and Associates specialize in all types of accident and injury cases. Sous ta tombé la caille ou bien dans le travail, sous ta fond accident machine, accident dans le travail, sous travail dans affaire construction, ta fond accident, qui ou ta chapé glisser ou tombé dans la rue, quel que soit côté. PKL, Yadgarov and Associates, 718-333-0812. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe, avec le docteur Théodore Fayette. L'action des bandits de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince est particulièrement orientée depuis quelque temps vers la paralysie du pays à travers le contrôle du carburant. Dans le Grand Sud, où les bandits ont été mis en déroute, la gasoline, rarement disponible dans les pompes, est offerte de manière informelle en galon par des particuliers. Question pour les distributeurs d'augmenter leur marge de profit, ce qui pose un risque énorme d'incendie et de dommages collatéraux. Tel en a été le cas récemment à Petit Gouave. Les auteurs intellectuels du banditisme ne semblent jusqu'ici pas avoir raison de s'inquiéter, puisqu'aucune mesure n'est prise pour contrecarrer leur démarche. Après le forfait du 7 octobre, le directeur de la PNH a cru nécessaire de démissionner pour reprendre sa position d'ambassadeur à l'OEA à Washington. Entre-temps, les 17 religieux capturés par l'équipe des 400 marozos sont toujours sous le contrôle des ravisseurs. On est tous dans l'attente d'un dénouement du moins de cette opération de kidnapping. On se demande perplexe, quand est-ce que sera exaucée la prière des Haïtiens pour une Haïti où le public peut vaquer librement à ses occupations? Le rétablissement de l'autorité de l'État est l'urgence du moment. Si la police haïtienne est en mesure de rétablir l'ordre, comme certains analystes le font croire, ce qui manque est probablement un nouveau leadership responsable à la tête du pays. Notre devoir est de mettre la main à la pâte et créer cette chaîne de solidarité pour la libération de martissants des quartiers populaires de la Croix des Bouquets. Haïti est à nous. Participer à sa libération est une autre façon de nous libérer nous-mêmes. Nos ancêtres se sont libérés de l'esclavage. Nous pouvons nous libérer de l'insécurité qui nous redonne notre statut d'esclave. L'union fait la force. Sunday morning, 8 a.m., grab my Bible, turn on the TV, watch Haiti Premier Class, and then I go to the church to feed my soul because I fed my mind with a Haiti Premier Class. Yon nan initiative que, en fait, coalition des Haïtiens, des organisations haïtiennes de la diaspora prend, ensemble avec Artist Village et puis Échange Leadership Forum, c'est arriver chercher fonds pour aider à créer des puits dans le département qui est affecté par le tremblement de terre 14 août. Là. Et actuellement, là, nous dans l'hôpital Jérémien avec l'ingénieur en fait, Jocelyn Laurent. C'est lui-même qui en fait pour implémenter le plan que nous avons déjà présenté par le public. Là, ingénieur, et actuellement, nous avons un puits là, dans l'hôpital là, qui nous va arriver et convertir le puits en de l'eau de qualité pour aider l'hôpital. Là. Moi dis merci à le docteur et moi dis merci à tout le monde pour m'attendre nous capable opportunité pour moi parler pour les projets ça et non puits qui gagne l'hôpital là dans l'hôpital là gagne un puits certes mais c'est lui même qui desservit l'hôpital là et puis ça il pas gagne test qui fait sous lui nous pas gagne un résultat de l'eau ça et nous même en tant que responsable dit pas dans la grandance nous décider pour nous être capable de faire une analyse bactériologique pour nous regarder quel type d'eau avant l'hôpital a desservi avec lui. Mais pendant ce temps, après ça, et travail ça pour le fait là, à côté des puits,
nous tient à ce que Dine pas lui-même il t'a rentré dans règle joute là. Moyennant que Dine pas lui-même il t'a réapprovisionné l'hôpital là en eau. Et ensuite l'eau ça et côté Dine pas va bailler l'hôpital là qui déjà traité avec Dine pas et puis l'elle venir là la cap desservi l'hôpital là. En d'autres termes ça veut dire l'eau Dine pas depuis nous connecté lui-même la bail bon de l'eau de qualité que nous garantit qui capable bon pour patient. Oui, avec une garantie, de l'eau dit départ. Je dis personnellement, c'est moi qui traite, qui assiste le traitement. Et nous avons un traitement qui goutte à goutte pour tout réservoir nous. Et puis, nous injectons dans tout, pour tout le monde. Ok. Now, actuellement, l'hôpital a puits. Nous pas assuré de qualité de l'eau. Nous pas qu'on aucun résultat de l'eau. Ça veut dire que les conséquences sont définitivement sont pas graves, puisque nous avons un patient ou de l'eau et que peut-être qui pas garanti ou une qualité de santé. Bon, ça a cause maladie. On va bailler de l'eau. L'eau n'est pas traitée. Les ça au lieu à bailler résultat avec mon eau, va faire mon eau plus malade. Et puis qui ça et l'hôpital là t'a supposé mettre disposer pour voir dans qui mesure pour bailler pour gond de l'eau qui desservir l'hôpital là qui normal. OK. Now, par exemple de vos côtés c'est de l'eau. Mm-hmm. Qui ça fait nous penser que l'eau pas bon. Bon, étant donné que ça fait, moi pas qu'à dire pas boire à 100% parce que beaucoup fait test sous les. Okay. Mais une fois que beaucoup fait test sous les, mais l'on regarde très gens de l'eau a fonctionné à ou dans l'hôpital. Et puis les ou dans l'hôpital, il y a plusieurs et services, toilettes, vous comprenez. Et puis ou pas qu'on est à n'importe quel moment, il y a un tuyau qui a fuite et puis de l'eau les contaminer. OK. Non, yeah. Ça veut dire que dans plan nous gain hein. Nous avons un plan pour contrôler de l'eau à partir de ce que ça n'a plus à même si contaminé pour assurer que de l'eau cap fini pour avoir la correcte. Oui, oui. Maintenant, l'aide de l'eau dîner pas arrivée là, il y a un réservoir en forme d'eau. Le réservoir a une capacité de 56 mètres cubes, 19 mètres cubes, ensuite 11 mètres cubes. Qui ça m'a fait? Le plan m'a été mis pour nous faire un vidange de réservoir pour nettoyer d'abord, ensuite immédiatement. Moi été projeté pour gagner yon ligne tuyau 2 pouces qui sorti dans dîner pas et puis immédiatement rempli tout et système yo gagner et puis l'aime fini moi même personnellement moi traité et puis pour desservir travail tout et l'hôpital là. OK, now, par exemple on considère pompe plan capacité pompe plan sopa qui j'en va le faire pour nous prendre l'eau ça qui dans pompe plan et convertir en eau quoi qui process que n'a utilisé étant donné que l'en projet a monté deux systèmes yon système côté pour fonctionner avec tout service d'hôpital avec de l'eau dîner pas traitée. Mais moi, que, au jour le jour, moi et Mounio utilisons notre système de l'eau pour boire. Ça veut dire qu'il ne traite pas osmose. Qui ça m'a proposé pour gagner une autre pompe qui t'a placé sur un bâtiment, côté une petite construction à faire, pour placer des matériels là-dedans. Et puis, laisse ça, il a placé le matériel là, et puis, il y a une pompe sous tête là avec un récipient. Moi, prendre l'eau dans le réservoir qui sortit dans le dîner pas, moi, vous voyez là, dans le petit château de l'eau. Et puis il passe dans le système ça pour traiter. Sous espace que nous avons les soins créés. Sous espace ça là, côté nous est là, c'est là nous allons construire. Si espace ça, vous nous mettez le système ça là. Et par exemple, de là nous commençons le test, fini test là, et à l'heure que de l'eau a fini, combien de temps pensez-vous qu'on projet qu'on a duré? Pour moi-même, ça, là, bon moi, il y a un mois, 6 jours pour travailler ça. 6 jours. Vous avez dit qu'on a tout le bagage? Oui, pour toi. Comment c'est? Ou pas, transportation matérielle, ça va dans la peau? Non. C'est juste pour avoir tout le bagage sur les tout le bagage sur les lieux, et puis il y a un mois, 6 jours. Ça veut dire que je prépare un chronogramme pour regarder exactement, je prends disposition pour me remettre docteur à travail là, rapide pour l'hôpital à fonctionner. Non, est-ce que vous pouvez vu de staff qui a besoin de travail pour construire et pour mettre des châteaux d'autres bagages? Et qui a dit staff a besoin pour faire ça? On connaît le travail, il y a plusieurs types. Par exemple, moi, j'ai décanté lui. Il y a une partie qui a sorti de dîner pas central pour examiner de l'eau, faire test laboratoire. Ça, c'est un. L'autre phase là, nous avons ces constructions qui ont duré un mois. Ensuite, installation qui a duré 6 jours. Donc, ça tout un mois, 6 jours. Un mois, 6 jours. Si nous avons tout le bagage et tout le bagage fait. Tout le bagage fait rapide. Et est-ce que dans la tête, vous avez en fait, pris le projet à côté de tout? Vous avez dans la tête? Ah, il était presque aux environs de 30 à 30 combien mille dollars US, on va y consacrer 30 000 dollars au voisinage si m'a trompé dans ce sens. OK, donc est-ce un bon message peut-être que la communauté a peut-être fait effort pour aider ça moi message d'avoir bayo on t'a dire merci d'abord par exemple pour l'hôpital qui a souffert longtemps avec l'eau ça parce qu'il pas vraiment gagné de l'eau pour desservir l'hôpital la vraie
et il pas vraiment gain quantité ou t'a besoin. OK? Pour desservir l'hôpital là. Parce que si vous pensez comme ça, par exemple investir dans la vie, c'est-à-dire de l'eau c'est la vie pour l'hôpital là. Et pas l'hôpital là qui permettre non, mais moun qui te ba au moyen pour ba comme là, moun pour multiplier bénédiction, tu pas gain plus que ça te gain. D'accord. C'est ma première question. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission sociopolitique. Bon, on a salué tout fanatique qui branche Haïti Première Classe ce matin, spécialement dans la connaissance de Dr. Berthier, dans West Angelina et avec Viviane. On a salué Yves Aubourg qui est dans Ozel, Yves qui est dans Long Island, pilote Malvoisin qui est dans Long Island. Et Rose Touk dans Long Island, Jean Donald Paul et Dean Pierce qui dans Edison, Semé qui dans Connecticut, Silot Bernard qui dans Manhattan, Marc Espierre qui dans New York, Fred Oville qui dans Spring Valley, et Suède Abraham qui dans London, Madame Dumel qui dans Eastow. Je n'ai pas rappelé que Besker College là, et pour capable aider dans route pour éducation, il y a eu Omelte de 6 aides pour monde, il y a eu LPN 1 an, LPN AN 18 mois, Besker, 9-73-6-73-59-00 Besker, 9-73-6-73-59-00. On a dit que matin à partir de 10h, en fait, Salesian High School qui est dans New Rochelle, gagne en fait New York City Judo qui a organisé une grosse cérémonie là, un championnat judo que fait chaque année. Et on a dit que jeudi dimanche tantôt à soir dans l'Antillaise et à partir de 9h à soir, gagne Lan Oliver qui a organisé un gros show avec Sito Kave, Alan Kave, 507-379-2212. Et n'a pas dit que la coalition des organisations haïtiennes de la diaspora, Atis Village, Voix et Tambour d'Haïti et AMMHU chapitre New Jersey, qui connaissent ensemble pour ramasser fonds pour essayer d'aider, en fait, péter de l'eau dans la zone département sud. Là. Et n'a pas dit que le monde qui est intéressé est capable d'aller et dans, en fait, Zelle pour être capable de payer avec. Dans l'adresse à jonel2288@gmail.com. Allez sous elle, jonel2288@gmail.com. C'est l'adresse pour capable faire paiement pour bailler aide là. N'a pas dit gagner Haïti pour casse cap célébré 4 décembre cabina et dans chez Miguel 6e anniversaire retour dans non dans occasion ça gain et en fait yon exposition de peinture avec Samuel Sam Augustin et dans cocktail hour gain Jean-Mathieu qui va jouer saxophone gain Bouki qui va signer tant que gagner l'Océan Benjamin et docteur Delné avec docteur Jean Fizemé nous gain show culturel avec Peniel dans ce company Sibrina va chanter pour nous pendant que n'a dit que animation c'est unique ben qui va le faire dans occasion ça gain différents personnalités qui va recevoir award parmi lesquels gain président Erta Pascal Trouillot gain Franck Siné ambassadeur Raymond Joseph et Erzen Clergé avec Renaud Julien moun ça font pile travail dans communauté surtout pour Haïti année ça Haïti a connait le besoin pile support n'a mandé pour capable en fait apprécier travail moun ça va soit à partir de 9h à Tibre classe sous 91.5 FM émission cap retransmet par Radio Centre-Ville dans Montréal. Moi c'est Raymond Joseph, moi que nous tout connaît parce que nous même sous Haïti première classe assez souvent. Et ben nous connaît les amis sous Haïti passé dans New York, moi dit yo écoutez non, c'est pas oublié non, dimanche là c'est Haïti première classe. Matin bon table nous avec nous c'est quatre gros citoyens là, docteur et Jean-Yves Plaisir, rejoignent nous matin. Hein? Et pendant qu'on dit que c'est un patient de gain, Erol Das qui retourne avec nous, et gain joie me réjouit, docteur, ensemble avec Gonal Monchon qui là. Nous parlons de Trace Béliard aujourd'hui matin. Now, et ce maintenant, Roro, nous élections passées New York, et ben nous rapidement, résultat New York. Yo. Bon, résultat New York, yo, comme nous te prévois, et Fayette, c'est exactement ça. Nous gagnons Farah Lewis qui reconduit comme City Council. Nous gagnons Mercedes Narcisse et Rita Louis, deux activistes dans la communauté qui sont là, élus. Nous avons un mandat pour y aller travailler pour la communauté. Et puis nous gagnons Eric Adams,
qui, comme prévu, maire deuxième noir, qui vient maire de New York. Et puis, Jumaane Williams reconduit comme public advocate, qui c'est un monde qui en cas, qui vient maire, parce que ses positions là, c'est salier. Et puis, fait que ce pour un breaking news, que je suis content, Bola Kayo, Murphy, c'est lui qui passait comme gouverneur. Bon. Et donc, avant de tourner dans le détail, et Dr. Réjou, est-ce que nous allons la confirmer effectivement que Murphy monte, même je ne sais pas. Je ne sais pas si je là. Murphy monte, mais l'obgade pour une série de county, tant qu'on a Maurice, na Warren, na Huntingdon, na Sussex County, côté Murphy perdu, ils sont mauvais signal pour l'élection nationale. C'est-à-dire que congressmen qui sorti dans zone ça dans district ça yo y a grand pile problème pour réélu. Bon. Now et docteur et plaisir on victoire comme ça, ça ça veut dire on victoire et Murphy qui réduit comme ça qui on l'île. Bon, moi même moi c'est toujours et yo dans élection ça yo si tout dans niveau état yo pour on état comme New Jersey que rarement depuis 1978 et quelque part que gagnant et gouverneur démocratique qui sorti dans parti démocratique là qui réélu donc ça est vraiment moi c'est son victoire liée pour parti démocratique là malgré que moi-même c'est en fait je pensais Murphy était capable de gagner plus gros marge de victoire mais ça qui est important c'est victoire là et gagner toute possibilité si démocratie travail d'arrache-pied pour plan Biden gagner hein, pour mettre le d'ailleurs pour voter lui et pour le passer et puis pour mettre en application et ça va le bailler un gros et booster ça va le bailler un gros push pour le parti démocratique là dans l'élection qui va venir contrairement avec ça et collègues nous penser et collègues docteur Réjou penser. OK now et Gonal et République OK passe une très bonne nuit hein, et qui ont senti même comme républicain qui ont les résultats. Pour moi l'aime de micro là pas républicain moi sur politique analyste moi pas analyste politique Jean Valéa comme c'était prévu hier soir nous avons dans Virginia c'était bien important hier soir nous voyons que en Yankee montrer monsieur républicain route là comment qu'il fait dans campagne hein lui embrasser trop just enough pour gagner l'élection. Dans la primaire, il parle à Trump, mais là, Trump voulait une faire campagne, il dit non, je ne vais pas venir. Et hier soir encore, on voit que M. Démocrate, et gouvernement nous dit qu'il y a eu un genre spécial pour qu'il perdu l'élection. Au dernier moment, côté que Michael Leval fait un commentaire sur la question de l'éducation, et qui vient un genre scare en série de conservateurs républicains qui sont à voter, on voit que des conservateurs démocrates ou bien des marques démocrates en dans Virginia à voter pour Youngkin. Par raison, c'est que l'élection Biden, non, Biden est battu 10 points. Et je dis là, si que pour une république qui a gagné, il faut jeune démocrate qui traverse, vienne voter avec la république. Effectivement, ça qui fait hier soir, l'élection qui fait en dans Virginia. Nous voyons que, encore, mon adoucteur, je vous dis ça là, hier soir, cas déterminé, midterm qui est très très important pour M. Démocrate. M. Démocrate a gommé entre eux, ou est-ce que y a un progressif qui a gommé avec conservateur démocrate, il n'y a pas qu'à entendre le soin, et ou est-ce hier soir, et je pense que M. République a passé une très bonne nuit hier soir, même dans New Jersey, qui ont Blue States, qui a supposé gagner l'élection, ça, combattre le souhait, sans que démocrate et Biden aient gagné, il n'a pas fait plus bien, nous encore, c'est dans souffrir. C'est pas dans nos sites là où est que yo annoncé que et Murphy gagne en dans Nassau County côté que Laura Cohen executive je ne jodi hein tout close to call Republicans leading by like 10,000 votes et pour qu'a gagne Nassau County encore sont pas pas quoi ta pas fait la fête ça encore ça montre que ça dit en dire qui gens baga la pral du pour monsieur république pour monsieur démocrate dans mes élections pendant que Now, et on attend que Billy apparaisse parce que moi Billy apparaît mais elle pas sur écran pour moi. Et donc New York avec meilleur et en fait qui fait monter là et deuxième point nous grand magistrat noir et qui ont lit avancer ça et côté nous pour aller dans New York avec équipe haïtienne ça monter là
et un maire qui est noir qui s'agit close haïtien. Eh bien bon, comme nous c'est une jeune communauté qui a fait expérience politique là, étant donné que tout le monde qui est élu à son bon jeune et yo connaît mais là déjà, c'est que monsieur sorti dans Brooklyn beau président, tout le monde ça a été de bon rapport avec lui, peut-être ça va porter des fruits pour communauté noire depuis que yo comprendre jouer politique là. Et it's a give and take ou bam mabao. Eric Adams en tant que noir son belle chance qu'il gagne la monter avec une équipe là qui gagne en pile minorité avec lui, donc c'est là pour communauté à développer agenda pour nous dire administration qui ça nous besoin yon là dedans c'est assistance ressources surtout pour new migrants yo, parce que si fédéral la pas bail state la pas délivrer et si ti a les même capable délivrer à communauté noire. Et nous t'a souhaité tout monsieur fait même signal avec Di Blasio choisir des éléments clés pour venir commissionner une série de positions parce que dans le premier terme Di Blasio était près de 4 haïtiens qui étaient commissionneurs pour la ville de New York et même Jean tout n'a tout fait qu'on est que gagner Cassandra Johnson c'est la première fois nous gagnons un jeune haïtien élu dans juge et dans système judiciaire là pour Queens County. N'a plan son compliment à lui-même et gen l'autre bagage qu'a fait depuis n'a réuni n'a parlé n'a communiqué n'a capable développer ça nous voulait pour communauté nous qui gens pour communauté aller political power pouvoir politique c'est bien mais pour retrouver Belia dans Ideli c'est surtout pouvoir économique là qui nichou qui coto contrôler pour délivrer à communauté au bien. Ou même qui sont professionnels certifiés, qualifiés dans HHE, LPN, RN et Housekeeper, CTF, Home Care Services, 38 Glen Road, Brooklyn, New York, gagne job pour vous et tout bénéfice. Et ou même qui sont senior citizen qui besoin d'aide depuis vous gagne Medicaid, Medicare, professionnel care CTF, vous apprend soin ou tant que vous voyez Nest Check et Santé ou et ou même fait vous même apédo fait si manger ou londri, accompagne ou kaye docteur et non maquet. Et pas oublier CTF, Home Care Services, gagne service physiothérapie, speech therapy et médico-social worker. CTF, Home Care Services, 38 Glenwood Road, Brooklyn, New York. Téléphone 718-856-6800. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette, offre un pile service tel que rachis dents, cleaning, plombé dents, root canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718-953-7639. Au corps de Park Slope à Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant, elle rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de Bécaneuf prépare des plats caribéens ou transcende des choix tels poissons, tassos, grillos, légumes. Bécaneuf Bar, restaurant 62 5e Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718-789-2176. H&N Bed In Furniture, qui est établi dans Carnegie, Brooklyn, offre tout un variété de meubles. Salon, salle à manger, chambre à coucher, matelas de toute qualité. Une équipe professionnelle cool, toi, sérieux, après nous, pour aider aux jeunes meubles à chercher. 1958 Rockaway Parkway, Brooklyn, New York. 315-968-54-06. Elia, qui j'en lis en fait résultat hier soir, et qui j'en ai dû exploiter, et en fait, à tout que nous gagnons, Eric Adams comme Maïska qui close haïtien, et un pile haïtien qui montait dans l'élection faite hier soir, Elia. Oui, l'élection là, au niveau national, c'est que nous, démocratie, bon avertissement sérieux, oui, bah, là, côté base démocrate là, et pas sorti, j'en ai d'assumé de sorti. Pour démocratie parce que yo frustré. D'autant plus nous va voir base républicaine lui-même lui est mobilisé à partir d'un discours qui ont tonalité purement raciste la question de critical race theory. Et côté mon yo a parlé de parental right. Et va venir candidat démocratie pas foncer de et ouais par rapport au sein de déclaration va le faire qui pral est vraiment servi de duf et de gasoline, je vais mettre son du feu républicain. Je ne dis pas que nous faisons face à une société qui est en phase de mutation. Côté, on côté, notre travail, on côté, notre travail pour nous arriver et jouer en formule pour mobiliser les démocrates là. Et républicains ont même qui senti et changement qu'a fait dans la société à côté destiné à ces races. Il y a passé il sous tout ça rien et développer entente imaginaire la map d'entente imaginaire là et qui fait de représentants token noir asiatique et latrier et monde ça vraiment pour ben ensemble de diversité là la partie mais pendant que Batia Chita basi son discours en tonalité purement raciste question de critical race theory
nous voyons le même problème américain fait face à ça. C'est le même problème en série de pays dans les colonialistes qui fait face. La France est pour me face à même problème ça par rapport à l'Algérie. Nous avons regardé une série de problèmes et ça qui passe. Nous avons les petits Français qui connaissent. Américains ici, tu n'as pas parlé et une série de histoires noires par rapport à cela. Puis loi, une série de lois racistes qui passe et projet 619, non. Tout bagage ça, yo, nous, la société, a beaucoup capable d'arriver pour l'harmonie avec tête, pour le garder tête. Nous sommes, j'en pense à un grand livre, il était écrit là en fait noir. Là, il était dit l'Europe, ayez le courage de lire ce livre. Mais il faut que l'Amérique, l'Amérique ait le courage pour le garder passé, pour le garder histoire, et s'il veut vraiment revenir en société qui a une certaine harmonie. Mais au niveau local, je pense que ça crivait là, mais plus que jamais, les gens qui ont supporté Yang, ils ont pu réfléchir mille fois. Parce que ce qui passe avec Eric Adams, c'est une opportunité que la communauté a gagnée, la communauté caribéenne, la communauté minoritaire en réalité a gagné pour qu'on l'autre noir. Mais ce qui est important, nous devons apprendre de leçon d'Enkins. Nous voyons que les médias ont arrangé pour faire d'Enkins un one-term mayor. Eh bien, il faut nous garantir pour nous arranger, pour nous prendre expérience pour 15 ans. Côté chaque semaine, nous devons Giuliani à Biden 15 canet dans la télévision. Eh bien, pareil, ça nous va prendre encore dans le média avec Eric Adams. Mais en même temps, tout pour nous organiser, nous, pour Eric Adams servir intérêt, nous, et tout qu'on a servi notre intérêt, parce que tout le monde, c'est intérêt par une défense. Ok, now, Gonal, est-ce que vous pensez que, en fait, Eric Adams gagne, en fait, nous connaissons que David Dinkins qui était solide, qui était grand pile, monde est tout. Est-ce que vous sentez que monsieur gagne pour être là et pour empêcher monsieur de faire du one time meilleur, Gonal? Juste avant que je réponde tout ça, moi, c'est que c'est exactement ce que les démocrates ont fait avec le Parti républicain, exactement ce que tu dis là. Côté que, vous pensez que, Parti républicain yo ka marié racisme seulement nan kounèg yo ou hier soir en Virginie li proposé pas ça que lié un yankin promet moun yo fiscally management si on a pas ki mis promet deuxièmement tout mis se montre que tout éducation c'est chambre gouvernement c'est que là que nous ou hier soir encore parce que démocrate gros plus gros problème nan même côté que yo pensé yo t'a pas déterminer élection ça avec Trump seulement ou chose de mistake c'est que je dis encore, pays à comprendre, on sait quoi Virginia, qui diversifie et qui pile un monde qui garde le là dans lui, very diversify. On sait côté que grand pile minorité là dans lui. On sait que Biden qui avec 10 points avant ça, il arrive perdu hier soir. C'est pas seulement le racisme qui fait ça. C'est ce type de management que monsieur démocrate Biden fois qui fait que un pile démocrate qui pas all the way to the left, pas qu'à retrouver en deux parties. Et je dis encore, ouais, même problème ça, ouais, et Adams, bon problème même, ou que homelessness en dans city, hein, ou housing qui ont problème, et Adams présenté tête li comme yon law enforcement meilleur. Now, yon a plus gros victime comme law enforcement, bon, c'est minorité, c'est qui j'en, et Adams pour le manage bagay ça. But, un fait certain, et mi se du tout, li pro-union et li pro-business. Le plus sur ces problèmes, ça qui est encore, quand il union avec business problème, c'est que, Eric Adams a un problème dans mes ok? But, je pense que je ne sais pas qu'il y a une force David Dinkins, définitivement, dans tout sens. But, I think the fact that he parle comme un moderate Democrat, he's not all the way to the left, I think he has a better chance than David Dinkins. Et now, Dr. Bézi, avec tout challenge, Captain, et en fait, et Maïska là, est-ce que vous pensez que la facile pour me joindre solution à problème pays, à problème ville New York, dans le contexte que nous là? Bon, et c'est clair, le plus gros défi, quel qu'en soit particulier au pouvoir, là, c'est consolider le pouvoir. Et pour consolider le pouvoir, c'est la capacité de Sandro Kabapti, délivrance de service. Donc, ce n'est pas capable de remettre rien de concret. C'est ce discours seulement. Donc, nous connaissons que mon avis est fatigué avec nous. Et moi, c'est ça qui arrive là, une crise de leadership, dans ce sens-là, ni pour les démocrates, et surtout pour les républicains. Qui a couru sous discours seulement, mais qui va arriver passer aucune législation, qui va arriver à rien. Mais quand il y a pouvoir dans les démocrates,
par exemple, au niveau national et qu'il y a dans la ville de New York. Tout. Ça nous attend, c'est sous promesse que Adam mène campagne pour commencer à délivrer. Réforme dans la police et justice sociale, question et monde sans abri pour chercher à équilibrer ça. Mais une stratégie que Adam fait, c'est que lui, pas lui-même une politique réaliste, d'équilibre. Il n'est pas courir derrière les gens qui sont riches dans la ville de New York, là, parce que c'est les gens qui vont contribuer plus de taxes. En même temps, tout, il y a de grands problèmes sociaux qu'elle a pu affronter. Et pourquoi Di Blasio, mais Di Blasio qui était monsieur avec une belle allée, une bonne fondation pour le construire sur lui. Et en fait, tout, il y a même une sorte d'envigoration, une sorte de vigueur à un niveau. Et, dans le cadre local, le district, par exemple, nous avons parlé des Haïtiens qui jouent un grand rôle dans l'élection et Adams. Et en même temps, nous avons plusieurs Haïtiens qui sont élus dans le City Council. Là. Donc, tout ça, c'est un allié naturel. Et c'est le monde qui peut aider, qui doit jouer un rôle pour aider M. Atterri dans la promesse. C'est-à-dire, la politique, là, c'est non seulement que, ça me pense, si. Biden fait tout ça le capable pour, ensemble avec les démocrates qui sont dans le Sénat surtout, pour passer le package Biden, c'est-à-dire reconstruction Biden. Non? Ça va gagner un effet comme si là, d'accord, on sort d'énergie et puis qu'on finit par apporter comme si un pile de ressources au niveau État, surtout dans New York. Et pour que tout élu soit capable de faire une différence. Et ça, le peuple attend, ce n'est pas de grands discours, mais c'est plutôt des résultats au point de vue économique, sur question éducation, sur question santé, monde sans abri, et surtout, et ça n'a pas parlé de justice sociale. Là. Et il faut que Adams ne fasse pas erreur pour quitter le crime à augmenter dans New York, parce que c'est une d'agado, une qui est un point faible qui a attaqué Dinkins. Et si nous regardons bien, c'est là que le crime commence à monter. Et malgré que Dinkins c'est pourtant une victoire sur bonne mafia, mais en même temps, tout le monde n'a pas confiance la police. Et si Adams apprend de ça qui s'est passé Dinkins, c'est capable de devenir un grand maire. Non, dans New York, là, par exemple, on voit que les démocrates, ils voient gouverneur AGT, donc pas grand temps, il n'y a pas de backup, monsieur, et il y a confiance dans le parti, tant que Jean, et en fait, docteur, je vais expliquer. Donc, le parti a censé, tant que Dakadou, pas unifié autant que le parti républicain, même quand il y a des choses qui ne sont pas correctes, mais toujours marchent en ligne. Qui est-ce que tu as fait dans le parti pour, en fait, après ça qui passe hier soir? Bon, après l'élection, hier soir, qui vous un signal, ni au niveau national, ni au niveau local et régional à Patia. Yomoun Kourik Adam supposé être lui-même et positionné comme modéré, mais un modéré très conservateur. Et pour toujours, journée jeudi à tout, ça arrive dans New York City. Soudain, Kens, où tu as gagné un city council permanent, pas de term limit, mais depuis term limit, l'on vient créer, ou vient jouer un pile ethnique minorité qui entrait dans la politique là. Ça change la dynamique là. Plus, ou bien millénium, yon même, yon l'autre gens yon politique là. Peut-être, nous, peut-être, pour l'atteindre, yon pour jouer avec Eric Adams, même gens, mais Eric Adams qui a gagné doit influencer à partir de New York City, parti démocrate là, dans New York. Et je crois que maire Di Blasio a déjà montré signal que li vle li même pour la gouverneur. Donc, si de monsieur ça yon marie, tête yon, yon vin parler pied à l'aise avec base là. Parce que, comme pour me répéter mot, et Belia là, sou pas gérer bazou ou ap gaye, parce que moun yo vini vous point gon insatisfaction générale, yo pas comprendre sa démocratie a fait, yo pas pou délivrer vrai qu'on dit créole haïtien, yo pou ko atterri alors que yo ba nou pouvoir pour nous font bagay, monsieur pou ko atterri. Donc l'année prochaine c'est pas peut-être même bagay là pour gouvernorship là, comme dit Blasio, fini en mi fig mi raisin, surtout dans affaire pandémie bien géré, mais dans faire là li quitté yon bagay chaud. Non, mais Eric, paquet moun ki ta supposé vacciné, c'est yon kap pren la ri, kap protester, même quoi que avec ethnique groupe yon,
que monsieur gère bien Eric Adams, si il vient gagner majorité ça avec lui, là peut-être délivré et puis New York City capable voir un meilleur signal pour New York State. Donc nous pas obligé pessimiste même les républicains qui gagnent, mais en automne et peut-être ni encore trop bonheur pour nous aussi pessimistes, mais quand même si elle n'a pas un bon signal, même quoi Eric Adams vient doit venir développer toute capacité parce que monsieur sont très bon communicateur et li gon approche naturelle avec moun, li pas vraiment gon approche politicien cap chercher politicien, li men nou chemin ancien policier, li vin nou community activiste, li crée organisation, li parle avec moun yo contre affaires armes, li vin élu, li vin beau président sous beau président colonial maire, et puis li gen en pile ethnique groupe cap accompagner moun, quoi que dynamique la changer New York City en mutation, pas gen paquet ancien et co-pasteur qui était qu'on a prendre l'objectif là, ouais c'est plus sous ces deux jeunes, tout le monde va suivre millennium yo pour ouais qui s'est passé. OK, now on a nous par exemple la caille et otage toujours en dedans toujours. Et fait prime is your parole, oui sur question ça. Ou les parole. Allez non. Avancez non. Allez non bébé. Ça qui est important pour moi-même, la différentes interventions qui fait là. Parti démocrate là, c'est pas qu'il pas gagne réponse par rapport avec discours et fallacieux des républicains ou Abinavel là. Ou gagne deux gâté parti en parti démocrate là. Ou gagne madame cinéma avec le président tout et mon oubli président monsieur Manchin. Man c'est émotion de Manchin. Quel relé. Cela dit monsieur Sayo et deux moun Sayo, c'est des troubles faits. Et ça, on a appris les Blue Dog démocrates. À la vérité, on a appris les modérés. Monsieur, c'est conservateur. Et il y a des conflits d'intérêts clairs par rapport au sérieux de position Manchin a pris, position cinéma a pris, par rapport au sérieux de monde qui a financé. Je ne veux dire, ça qui est important pour nous garder. Démocrates eux-mêmes, ils ont fait face à un dilemme. Ça, à côté que, ils ont manqué de communiquer convenablement, ça a gagné comme programme. Et c'est ça qu'il faut avoir une série d'obstacles de Montecou cinéma avec Montecou à bail par rapport à la base progressiste. Et si vous l'avez communiqué mieux, l'AMDA quoi, média, et ça a gagné comme le paquet déjà proposé à travers l'infrastructure avec le projet social que vous avez gagné, je pense que définitivement, vous avez privé gen on l'autre réponse de la part de Bazda. Et moi quoi yo apprendre de ça qui passé là, élection ça permet yo recalibrer parce que en politique on semaine c'est un millénaire et moi pense que yo gen assez de temps dans la mesure où bon volonté réelle de la part de parti a pour comprendre message qui voye a et puis pour mobiliser moun yo à travers ça yo gen parce que monsieur gen des projets assez intéressants que c'est pour l'éducation, que c'est sous et childcare, que c'est sous infrastructure lui-même. Qui est-ce qui a obtenu mon lapin? Et bon, nous sommes dans le terrain, j'ai un problème pour le là. Et bien, le terrain, je me disais, mais quel problème pour le ça? Avec le projet démocratique, je ne sais pas si on résoudre. Et je pense que tout, même les républicains, d'après ce pour lui, les républicains ont supporté le projet ça. Mais il y a une absence de communication, il y a un manque de communication de la part des démocrates pour faire mon connaître qui ça qui gagne le projet, il y a défendu. Et c'est ça que docteur Richard a dit. Now et Gonalan font arriver la caille là, moi crois que et projecter un boîte pour otage. M'a porté la caille boîte rapidement moi me dit Marcel Abel je dis là. Problème c'est que monsieur démocrate pas chef le chef. Love to say. Le pas chef. Non, n'est pas qu'à user pouvoir ou bien le chef. Encore deuxième bantou. Bien avant manger de Joe Manchin. Joe Manchin sortir dans West Virginia. State qui plus conservateur dans pays là. Chop bien la 70%. Il arrive à tenir général. Il est arrivé gouverneur, il est arrivé sénateur dans cette salle. Non, on de démocrates qui do it. Et si on regarde les gens que Joe Manchin vote avec démocrates, 90% de fois, ils votent avec démocrates. Bah, avant tout, il faut mieux penser à ce qu'il sortira. OK? Et cinéma, of course, il gets money from other people. But encore, c'est la politique en fait. En autre en Haïti. En question otageux. Pas quoi il s'est là pour qu'il dit, bah, ça va pas te faire mal. Est-ce que nous comprenons?
Amerika ki nan bitè la. Nè gè pou an antre, eske yo pou an otajwe deja ou pou kompon yo, yo kite yo sa. An antre la. Mèsyè, otanon nou, yo kidnapè 17 Amerikèn. Kout pa remoun sa yo, ki fèm barè nan televizyon pale, ki fèm barè nan social media, wè adè. Pou ki sa? Kote media, pou ki sa media pa pale de li ankon? Pou ki sa media ayisyen pa pale de li ankon? Fòt pose nou kesyon. Pou ki sa ke nou ke peyi a all of a sudden no one talks about it. Premier jour tout moun pale li. Sa di ke gòn bagay k'ap fèt ke nou menm ayisyen ke nou pa konprann. E fòdre le sa liye a. Gòn posibilite deja la deja dimanche dernier kote ke nèg yo an dwa fè yon deal pa deye ou pa le Joe Biden an konpo di sa. Et raison fait au perdu hier soir, c'est parce que l'équipe Biden n'a pas fait rien aujourd'hui là. Ils ont pas dit tout le bagage. Des fois, depuis tête là pas bon, en bas pas bon. Joe Biden prend le bon ton show en Haïti et laisse soir fin fête. Ou après qu'il dit que la vie bon Clinton, les Clinton ne voient ici tourner, les poursuivre Biden qu'on ne voit ici tourner pour du pôle devant. C'est exactement ça qu'on fait. Gon deal qui fait entre Monsieur Haïtien et maybe Kassa Barroso à Monsieur Américain. Ok, now, Dr. Plaisir, est-ce que vous avez dit ça? Parce que je crois que le président Dominique Abinader, lui-même, lui dit, t'as quoi voyage à le camper parce que il y a drôle là. Est-ce que vous pensez ça qu'annoncer, M. Abtani fait pour le déplacer et Ok, yeah, d'accord. Bon, bagayo fou, yo pa clair. Mais cependant, ni toujours gagnien, ça nous ta capable di diplomatie qu'a fait en bas que nous alors qui pas partagé dans public à public là. Donc, question c'est que nous pas ouais gagnien yon surtout du côté haïtien comme si gagnion volonté pour attaquer problème là en profondeur. Et tout autant ça a existé. Perception c'est que gagne une sorte de duplicité, complicité et ça lui même très grave, on bagaille quand ça arrive. C'est comme si nous toujours attendre c'est dehors, c'est Biden et c'est autre qui pour venir résoudre problème là. Donc moi c'est là voilà Marie, moi pense que c'est ça pour nous garder. Nous-mêmes. Ok, docteur Réjouis. Qui ont pensé ça pas affecter Ariel Henry? Est-ce qu'on pense Ariel Henry doit déplacer pour ça résoudre? Ou bien, parce que le chef de police a allé déjà. Qui sont regardés, docteur Réjouis? Bon, je ne sais pas exactement même Jean avec Gonal, dans le sens que il n'y a pas parlé de questions otages. Il y a toujours parlé de ça nous est à son bagage qui normal les que on prend otage yo li chaud pendant deux premières semaines yo et puis après yo sorti il ba la fini surtout que en pile moun yo prend famille gen au moins gen toute une famille qui nommé otage en Haïti mais cependant ça qui est important tant que docteur Plaisir dit c'est pas négociation ça c'est pas négociation qui fait en public qui a parlé dans radio dans média tout le temps. So, li possible que gen pile négociation k'a fait pour lagé otage et tant qu'on nous t'ai toujours dit pas aucune intervention militaire qui pourra le fait pour al prendre otage nous ka à moins que yo connaît exactement et que li extrêmement bien calculé et vu que nous wè ki jan que et monsieur qui a bandi ça qui prend moun yo en Haïti à qui jan yo fonctionné pour moi me penser la très très difficile pour ta une intervention mais cependant je pense que il y a une négociation qui a fait, côté que yo ka payé pour la Guémounio, ou bien quel que soit arrangement qui a fait là. Nous avons même ce gouvernement haïtien même qui baille Kobla pour la Guémounio, et puis après, nous avons une réaction du gouvernement américain. Sous question, président Biden utilise pour à des fins électorales, bon, c'est possible. Mais m'pa kwè son bagay ki pou al fè parce que et impact la pa li pa passé pour changer Jean Bayo yé kounya la parce que gan pile lot approche que gouvernement ta ka pran sans pourtant yo pa besoin rentrer dans sa relon quagmire en Haïti et gros problème n'a fait face c'est que haïtien pa vle adresser problème en Haïti y a pas tant que pour moun sort l'autre côté pour vinn adresser problème nan pou yo. Ok, est-ce qu'on pense que nous gagnons et bandits qui gonnent gassé pour qu'un otage américain religieux
tout temps ça a demandé tout comme ça et puis monsieur capable faire mon peuple américain ben ou bon moi en deux mots m'pa quoi d'ordinaire monsieur ça pas gain presque gain en tête je sais comme là au besoin ou nous je va déjà jeune comme là déjà nous te dit déjà mais gain doit avoir l'autre intention derrière à faire de militaire dominicain dans des frontières à faire cinquième flotte qui non mais qui va l'entrée FBI qui déjà là, qui des monde déjà souterrain, trois monde qui a arrêté Florida, yo joine Cap Vorezab. Normalement grand pile déroulement, développement qu'a fait, même pas quoi haïtien gen zam nan men vrai et américain là pas ton de côté, d'abord trois bagailles, collateral damage, cajol tu revoir et puis la gay bombe, li touyer ti monde grand monde, si c'est ça t'a bien résoudre, même pas quoi l'envie tuer 17 monde yo et monde ça yo yo ka bien getan sécurisé m'a répété l'encore yo ka bien getan sécurisé pour l'autre bagaille derrière que côté chita là nous capable déterminer développement pays a nous pas président nous gon gouvernement branki braka nous pas comprendre rien tout monde indexé en Haïti tout monde décrié mon peuple qui prend plaisir dans la rue joue les morts avec rara ni premier ni deux tout monde ça vous jambe yo yo même yo ta ka résoudre problème banditis là yo te ka résoudre problème non gouvernement gen en Haïti mais yo sou plaisir OK now en fait allez, même pas bon ici ou ta font point docteur plaisir oui oui alors avant États-Unis entrer dans quel qu'en soit pays d'intervenir il y a tout un discours qui précède ça et toujours un prétexte je ne jodi a nous pas attendre prétexte ça. Alors, le prétexte le plus souvent, ça devant lui, il y a une crise humanitaire. Ouais, nous parlons de ça. Deuxièmement, il y a un intérêt américain qui est menacé. C'est la deuxième partie dans le discours là. Nous parlons de ça. Intérêt américain pas semblé menacé en Haïti, sauf bandit ça a eu bah, occasion, vous comprenez, pour le discours ça, sur intérêt américain. Hein, tu as parlé parce que il y a un. Il y a un américain dans mes et troisièmement, dans le peuple, là, en 1994, il y a toujours une sorte de volonté, les gens qui ont pris les américains intervenir, c'est cela. Donc, USAID a toujours joué Walsa pour faire la population même et mandir cette intervention. Mais il y a un haïtien d'où, et même temps d'américain, tout discours qui t'a voulu sortir, c'est. Problème haïtien, c'est parmi haïtiens pour le régler. Haïti appartient aux haïtiens. Et c'est haïtien qui pour bail solution pour problème pays d'Haïti. Et c'est ça, et nous, ouais, que nous-mêmes dans la diaspora, c'est ça, nous dit. Sauf que nous, en Haïti, et gouvernement hein, qui l'a, pas semblé, les gens volonté pour véhiculer le discours, ça. Hein? Et opposition le fait même que l'a composé avec nous pas même qu'a dit y a un gouvernement parce que ça là nous pas connait ça lié donc yo vinn fait affaiblir tête yo donc question ça vinn fait peuple là pas qu'a faire aucun monde confiance et c'est ça et cap comme si là n'a pas pour nous sortir dans maras ça et pendant ce temps problème a augmenté mon a mouri comprendre il a porté en bas fait. Mais il y a qui j'en vois que diaspora attaque à bay coup de main en débloquer crise là pour nous résoudre une sécurité pour pays à débloquer. Bon, coup de main diaspora, c'est son coup de main qui doit faire là, d'abord évaluation réelle de ça nous représenter, de qui champ de nous d'intervention que nous avons choisi. Et en plus de ça, moi-même, nous avons dit un petit mot sur question d'otage. On pas trop concerné d'otages américains. C'est pas ici qui est en otage là qui est important. L'en otage dans mes bandits, l'en otage dans mon pouvoir extrême droite, l'en otage dans mes kounyala de monde. Parce que docteur Blaise, il va parler d'opposition. Il est important que je vous dise, SDP, c'est pas l'opposition. Son frange de l'opposition qui a le vent de tête pour patate avec Ariel Henry. Pour un pouvoir imaginaire. Ouais, okay. Ça c'est ça lié. Parce que SDP, je ne veux dire pas qu'aucun pouvoir vraiment, un pouvoir imaginaire que rien. Il y a un secteur dans le pays qui campait, qui fait des propositions qui sont correctes
et qui a demandé tout bon en transition pour fâché. Mais ça n'a plus rien à faire. Est-ce que nous parlons là? Est-ce que nous parlons là pour fâché? Non, pour fâché à la lui-même. C'est ça que même avoir fait là. C'est travail. Tout le monde qui t'a voulu dévoyer opposition au coupé fâché, qui t'a voulu venir faire tourner en mélange, personne n'a connu. Mais quand bon exemple, souvent on veut du jus sucré, ou pour un gros pot de jus ou vide la dedans ou pas un jus sucré encore, ouais, ou un gros pot de l'eau vide la dedans. Mais c'est ça, il y a ce qu'on fait là. La opposition coupé fâché, il délègue toute responsabilité à l'homme Ariel Henry. C'est sa discrétion à Ariel Henry qui va l'appliquer en soi-disant accord, alors que il continue à dire tout ça a gagné. Il a demandé à Montana, Lilan et Ariel Henry. Et accord pour Ariel Henry. Différence, c'est que l'accord Montana, ce n'est pas discrétion, ce n'est pas bonne volonté. On monde qui va l'implémenter en changement. C'est une volonté qui t'a sorti dans la base là, qui t'a venu avec une tradition pour le fâcher. Et question ça, beaucoup de monde dit, et André Michel, mon cher ou très éloquent, bon, pas convaincant du tout, mais soit présenté nous parce que discours pas qu'il met de l'eau, ou pas son discours pas soit lié, discours et SDPA. Et cependant, mais nous-mêmes dans la diaspora, pendant, nous avons gardé, nous avons indexé, nous avons dit, ça a passé en Haïti, pas correct. Est-ce qu'on a préparé nous pour nous-mêmes les moments arrivés pour nous capables de jouer au rôle nous? Parce que jouer au rôle, nous devons faire avec bonne volonté, non? Sauf qu'on joue à mettre sur un terrain, même si on joue ça, on a une bonne volonté pour jouer. Mais si on ne pas qu'on joue, n'importe quelle équipe 4e catégorie a battu. Parce que on joue ensemble qui est capable de contrer et de raison de bonne volonté. Nous-mêmes, je vous dis, nous avons moyen, nous avons bonne volonté, pour nous avoir allié moyen, bonne volonté avec savoir-faire. Avec leadership approprié pour nous construire un bagage pour nous changer la réalité. Ok, d'accord. Bélia, monsieur Napkembe, là, vous venez aujourd'hui, na, vin semaine prochaine, Bélia. Faites un voile pour la semaine prochaine, non? M'invitez tout le monde à passer, une Kobe Creole, une goûter, et qui vit comme Paris Group. Ok, bon week-end. Bye-bye. Et maintenant, avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine, l'actualité en Haïti, avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Eh bien, je vous dis que nous mettons pied à terre en tant qu'organisation comme agent de développement pour nous faire développement dans la commune nous. Et je ne veux dire que nous avons un appel personnel par le magistrat Nice Simon qui ne mettait pied la terre comme nous dit, c'est acheter l'élection pour l'agent et nous demander est-ce qu'il peut jamais tirer l'agent ça toujours. Parce que pour nous garder là, pour nous sortir de Clercine, pour nous faire une opération avec Zong nous, côté que pas le canal là, et côté que nous faisons pas paquet de sacrifices. Et nous féliciter staff là, équipe là, qui bail résultat ça dans 15 jours. Et gien haïtien capable, gien haïtien gien volonté, gien monde toujours parce que c'est conscience nous qui permet que nous fait ça, nous fait la journée aujourd'hui. C'est là nous gien petite, c'est là nous gien cas, c'est là nous rete. Nous remet quartier nous remet pays, nous remet commune nous. Et bien journée aujourd'hui, nous avons un appel bail Ariel Henry qui c'est premier ministre qui gien rey pays en amel la journée aujourd'hui. Nous pas ouais qui ça ni 6 mois après régler dans la commune d'abord parce que tout côté passé dans l'environnement c'est fatra, c'est de l'eau sale parce que nous connaissons fatra avec l'eau sale c'est ennemi la santé fatra de l'eau sale li calé main coin côté que pour petit peuple malade depuis on t'il a pli tombé moun pa ka joindre route pour passer et je dis on a vécu une situation côté que tout monde tabac tout monde doit mettre mais on en pat là même gens nous même nous fait pour nous sauver tabac, pour nous sauver Haïti. Notre objectif pour OAVCT continuer à remplir mission qui c'est accompagner propriétaires véhicules terrestres à moteur qui souvent victimes de yon ensemble de actes criminels tant que vol véhicule, moto ou bien machine. Direction générale OAVCT prend une série de décisions qui permettent de nous freiner l'augmentation du vol véhicule qui est une des principales sources d'insécurité publique dans tout le pays.
Direction générale OAVCT décide de mettre expertise obligatoire pour tout renouvellement de la police assurance. Nous profitons de l'occasion pour nous préciser que ce n'est pas une taxe en plus que nous ajoutons sous clientèle là. Parce que expertise machine et moto est toujours faite comme ça doit dans tout bureau OAVCT ou bien la caisse concessionnaire véhicule. Qui présent matin dans la conférence de presse que le service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, a bail concernant naufrage Ecclésias qui fait dans la nuit de vendredi, pour samedi dernier, dans la zone Marigot, plus précisément Grosse Pointe. C'est un incident malheureux, un autre incident encore qui est arrivé dans le secteur maritime là, et que nous pas souhaité, que nous pas voulu, que nous prenons toute décision et pour que ça pas arrivé, mais malheureusement, et il y a des contrariétés qui sont arrivées des fois, et bien, incidents arrivés, et nous partager et condoléances à la famille et tout le monde qui est victime dans le naufrage là. Mais cependant, il faut que nous disions que aujourd'hui, l'information que nous gagnons, parce que nous cherchons à continuer, l'information que nous gagnons, c'est que Semana, avec Direction Protection Civile, bilan et partiel que nous gagnons pour l'instant, c'est 20 morts. Les pas 22, les pas 23, les pas 24, c'est 20 morts jusqu'à présent que nous gagnons. Et deuxièmement, nous gagnons 8 personnes que nous gagnons dans l'hôpital là, et qui a pris soin et nous continuer recherche yo. Et puis il y a plus qu'une trentaine de l'autre monde qui ont même guettant aller joindre famille yo. Et c'est dans l'ensemble information ça on gagner et men a dit tout et service maritime navigation d'Haïti Semana plus précisément direction générale là prend décision pour voyer 4 représentants et Semana yo et pour nous révoquer yo. Parce que yo premièrement yo pas dans portio les événements arrivés et deuxièmement aussi faut que nous dit et capitaine de bateau a, et ensemble avec et amateur de bateau a, yo gen mandat derrière tout et comme d'après information que nous gagnons capitaine bateau a est assemblé mourir dans accident dans naufrage là mais amateur a gen un mandat et d'amener qui est déjà décerné contre lui. Encore des médecins, Sandawe. Et même, Haïtiens, nous-mêmes, et nous cachons bien. Pays à la cage peut-être. Haïtiens cachent bien. Pays à la cage peut-être. Et nous, des problèmes. Et nous, des pays à du tout. Et après, il y a qu'un auditeur. Et nous, qu'un pays auditeur. Ne quittez pas nos libertés. Nous allons respecter. Nous sommes allés, quittez pas nos libertés, nous allons respecter. Ok, merci. Nous sommes dans 1444, la Bouchard Avenue, en face de la Greenwood. Téléphone 718
576-60-68. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un Safrou 3 et professionnel dirigé par Gredin, pharmacienne haïtienne vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Mikael Yadgarov and Associates specialize in all types of accident and injury cases. Sou ta tombe la caillou ou bien dans travail, sou ta font accident machine, accident dans travail, sou travail dans affaire construction, ta font accident, ki ou ta chapé glissé ou tombé dans la rue, quel que soit côté a. Mikael Yadgarov and Associates 718-333-0812. Ici, mesdames, messieurs, prend fin cette édition Première Classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti Première Classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti Première Classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973-568-7447 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Wilkins Haïti, Prince et Forge et Joseph Rosaillon, notre maquilleuse Simone Desvarieux, assistée de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson et Pierre-Louis. Nous rappelons ce matin, à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec le championnat de judo à Salesian High School, New Rochelle, New Jersey. Et ce soir, à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti Première Classe sur le 91.5 FM. Bon dimanche. This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier.